No tu, no tu, e ho tirato a rete già, però no tu. Di questa? Se me ne c'è? Fermo. Da ora ti rete tendo, ma non è un gamma di buono. Ah, io sta a zizzagirem. Adupe! Non! Cadu même est rempli comme ça. Non, les filles de Saïo ont beaucoup de cadeaux comme ça. Voilà l'autre encore. Maïe a eu le. Ah, Mioko! Mioko! Mieux que ça, c'est cadeau encore. Beaucoup de cadeaux. On m'amène beaucoup de cadeaux comme ça. Hé, hey, Nathalie. Je pensais que j'étais en train de mettre le son. Oh! Attends, hein. Ah, d'accord. Désolé, hein, famille. Radu est gomme de. Bon, on va chanter un petit morceau d'abord. Attends, oh, mais il y a un monnaie quoi? Ara n'yon ni manka o lago suna n'yoye. Ça y est, Yuge, wano n'yon ni manka lago suna n'yoye. Ana yiwa pelo ana yiwa wo yiwa ana yiwa limo
na nyoye ama da takure bebe ogre ara oyi na nyozo ma da kwa so na nyoye na be yi mi ko ogre ara oyi na nyozo na kwa so na nyoye ama da takure bebe ogre ara oyi na nyozo ma da kwa so na nyoye ye Izano ane nyari muka alabo sunanyo Sayira yunke wane nyari muka olabo sunanyo Iwa pere oma na yira yiri oma Iwa ye gede 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 oma Ane nyari muka alabo inanyo suye Misha ane nyari muka alabo inanyo suye Nabane nyoni muka tokure pepe oyina nyoso Arane nyoni muka dakwa suna nyoye Nyamisha Iwa kete 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 nore uma Ani nyoni muka dakwa suna nyoyo Saya yuke wane nyoni muka dakwa suwa nyo Nyanga nyuane nyoloka la kwa sura nyoa Fakwa mamike wane nyoni waka Mwata o ina nyoso Ira iwa pereo mana Ira iri kupa Iko iri kupere Nero ane nyoni waka la kwa sura nyoye Saya yuke wane nyoni waka la kwa sura nyoso Iwa ikoti bila jina ikete kete 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 Awa yara wasa ane nyoni muka la kwa oyina nya Bia yonyo ane nyoni muka la kwa oyina nya so Ça dépend de vous, ça dépend. Donc connaitez-vous, je mette la musique. Mieko, Mieko, tu vois non? Ça c'est cadeau à quoi? Ma copine, tu vois non? Ma jumelle. Ça là encore c'est cadeau. Eh! Non, Nathalie, vraiment. C'est cadeau qui ira au cadeau. Ya na kia so wa ye. Ku. Anka mare kare o ma pere wo no yo.
tata abri les amoye na kye so mwayere. Mayele obri tata, ale bria, ye na kye so mwayere. On vous attend, si vous êtes connecté, on commence à 15. Wow. Merci maman. C'est pas Yaya, hein? Mon fils, ça c'est mon fils qui est là. C'est ça qui est la vérité. Ouais. Ça que le bas, hein, Galégeza. Merci, 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 merci pour le cœur. Merci beaucoup. Bon famille. On a déjà mis deux morceaux.
Donc, on n'a pas envie de durer sur le direct. Ça dépend. Voilà, ça dépend des sujets que nous allons aborder ce soir. Donc, ça dépend de vos partages. Si vous partagez le direct. Partagez-oh. Pour que nos Nazareths puissent se connecter parce que vous n'êtes pas encore nombreux. Et quand vous n'êtes pas nombreux comme ça, là, moi, je ne suis pas inspirée. Donc, ça dépend de vous. Mais, je vous salue. Je vous salue, famille. Je ne vais pas tout le temps attendre à ce qu'il y a 20 personnes, 50 personnes et puis je vais parler. Après, les autres vont regarder le direct. Ce n'est pas un problème. Donc, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, vous qui êtes connectés ce soir sur le direct des abeilles du ministre Charles Blégoudé. Dit les SMS d'Eri de Simone et Yves Gbagbo, c'est de ça que nous parlons. Famille, on vous a donné rendez-vous. Le poste a été fait par ma fille, La Force Tranquille. Voilà, donc je sais qu'il a été partagé. J'ai eu cette partage. Bon, moi, je me dis que mes Nazareth sont déjà au courant. Donc, ils vont nous rejoindre après. Donc, c'est nous, on vous a donné rendez-vous pour parler un peu de la Côte d'Ivoire. Oui, pour parler un peu de notre pays. Et pour parler du ministre Charles Blégoudé. Voilà. Ce grand homme-là, il mérite son passeport. Voilà. Il mérite de rentrer dans son pays natal, qui est la Côte d'Ivoire. C'est ça. Voilà. Donc, nous allons parler de tout ça là. Nous allons aussi parler de nos frères qui vivent ici avec nous. Voilà. Donc, je vais enlever mes ribandes. Voilà. Et puis, vous allez voir mes petits yeux là. On dirait sourire là. Puis, on a un guinzin. Ouf. Il voit plus clair. C'est ça. Hein? Oh là là. Il ne voit même plus. C'est pour ça que je ne les porte pas, hein, les lunettes là. Ça, c'est pour ma soeur aujourd'hui. C'est pour ma soeur que j'ai porté là. Pour moi, elle est dans la maison. Donc, on va parler de beaucoup de choses ce soir. Mais on va commencer sur un frère. Voilà. Qui a fait un direct il y a trois jours de cela. Hein. Tout le monde a guinzin dessus. Bon, nous, on a quand même nos grains de sel à donner aussi parce que c'est important. Voilà, dans la sauce. On doit mettre nos grains de sel dedans. Voilà. Et le samedi, on avait fait un direct et puis on vous avait donné rendez-vous aujourd'hui. Donc, on va parler de tout ça là. Bon, mon sujet de ce soir, je vais commencer par mon frère. Parce que pourquoi je l'appelle mon frère? Parce que c'est un jeune Ivoirien. Il est de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je me dis que c'est mon frère. Vu son comportement, moi, je le prends du moment qu'il est Ivoirien. Voilà. Il restera mon frère. Mais l'homme là, on ne peut pas avoir le même caractère. Lui, il a son caractère. Moi, j'ai le mien aussi. Voilà. Dans ce pays-là, où on se trouve aujourd'hui-là, les filles d'Essaïwa, depuis que nous, on a commencé nos directs, on a toujours demandé la réconciliation. On a demandé la paix. On a été les premières à parler de paix. Comment tu vas, ma princesse, ma petite soeur chérie? Moi, je te love. Edwige. On a toujours demandé la paix et la réconciliation. Mais vous savez, on ne peut pas quitter dans le cœur de certaines personnes. Lui, il a son comportement. Nous, on a nos comportements. C'est ça. Donc, je vais parler de ce soir. Je vais parler juste un peu d'Aminem Blindé. Parce que j'ai une soeur qui a fait son direct hier où elle nous a interpellé dedans pour dire que oui, Aminem Blindé, il est sorti. Et puis, il a fait un direct. Parce que nous tous, on était en train de faire les directs pour demander le passeport du ministre Charles Blégoudé. Voilà, donc il a fait sa sortie et ils ont leur parti. Voilà, et ils sont GPS. Charles Blégoudé a son parti politique aussi, le COGEP. Mais ce jour-là, on parlait de la Côte d'Ivoire. On parlait d'un digne fils de la Côte d'Ivoire. Donc il est sorti, il a fait un direct. Mais je me dis que du moment que on est des frères et sœurs. Si un frère fait quelque chose qui t'a fait plaisir, c'est normal que tu lui dises merci. Parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Donc, quand il a fait sa sortie,
Nous, on a fait une sortie où on lui a dit merci. Mm-hmm. Mais nous-mêmes, de la manière il est caméléon là, mm-hmm. c'est comme ça, nous aussi, on est caméléon. Voilà. De la manière il est lion blessé chez lui là-bas, là. Mm-hmm. c'est comme ça, nous aussi, là, on mm-hmm. est lion blessé. Mm-hmm. Mais souvent même, il y a des trucs même là, mm-hmm. à laquelle tu n'as même pas envie de répondre. Mm-hmm. Mais lui, il pousse les gens à bout. Mm-hmm. Ça veut dire que où tu n'as même pas envie de parler là, il veut que tu sors. Mm-hmm. Donc, c'est à lui que je dois parler un peu. Mm-hmm. Dogomadou. Dogomadou. Hier, Sona qui a fait une vidéo qui mm-hmm. m'a vraiment plu. En tout cas. Tu sais quoi? Quand tu marches avec une personne, mm-hmm. quand tu dis que cet homme-là, c'est mon leader, c'est mon patron, il est mon Dieu donné là, mm-hmm. tu ne le livres pas. Mm-hmm. Voilà pourquoi nous, on ne veut pas laisser quelqu'un même. Mm-hmm. Talonner même le ministre Charles Blé Goudé. Mm-hmm. Parce que nous, là, on mm-hmm. a dit que le ministre Charles Blé Goudé, là, c'est notre Dieu donné. Mm-hmm. Donc, toi, pourquoi je vais te donner, pourquoi même je vais te donner l'occasion même de le talonner? Pourquoi, mm-hmm. Pourquoi tu vas l'insulter? Mm-hmm. Je ne peux pas. Voilà pourquoi quand quelqu'un parle du mal de lui, là, moi, j'ai toujours dit, un enfant qui est dans l'eau, là, mm-hmm. quand l'enfant est en train de se noyer, là, la première des choses, là, tu dois le sauver d'abord. Mm-hmm. Mais il est encore dans l'eau. Il est en train de se noyer. Et puis tu le frappes encore pour mettre dessus. Ça mm-hmm. veut dire que tu veux sa mort. Mm-hmm. Dans nos leaders là. Du moment où ils sont dans la gueule du loup là. On ne doit pas les enfoncer dedans. Mm-hmm. On ne doit pas les enfoncer dedans. On doit former un bloc. Mm-hmm. Pour les secourir. Mm-hmm. Pour leur venir en aide. Mais tout le monde n'a pas les mêmes pensées. Donc, Dogomadou, quand Blé Goudé, là, depuis là, son passeport, là, il n'a pas encore eu. Mm-hmm. Tu es sorti, tu as fait ton direct. Passeport, là, ce que tu avais réclamé, là, il n'a pas encore eu son passeport. Mm-hmm. J'ai dit, on sait que Aïcha Koné, là, mm-hmm. elle n'est pas ta soeur. Elle est Doula. Mm-hmm. Mais Aïcha Koné, là, c'est une Ivoirienne. Mm-hmm. Et puis, c'est une artiste. C'est une diva de la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Dont la vieille mère, là, si elle fait des petits trucs là, qui ne nous plaît pas là. Nous autres là, on a nos mots à dire. Mm-hmm. Aujourd'hui là, donc on m'a dit, tu es sur les réseaux sociaux. Nous, on était sur les... Nous là, quand on vient sur les réseaux sociaux là, c'est pour faire promotion. Mm-hmm. C'est pour dire aux gens qu'on est rentré en studio, on va faire sortir tel album, on a dédicace tel jour. Mais aujourd'hui là, on a laissé tout ça et puis on est venu sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. On a dit que nous, on va combattre l'injustice. Mm-hmm. Un enfant de rien du tout qui a fait prison mm-hmm. avec le président Laurent Gbagbo. Mm-hmm. Depuis ils étaient en prison là-bas, puis ils ont commencé à vilipender le ministre Charles Blé Goudé avec Simone Yves Gbagbo. Donc on a laissé Chasson là. Mm-hmm. Et puis nous on est venu monter sur nos portables. Mais tu vois pas les injures que les gens nous lancent ici. Tu mm-hmm. vois pas tel de la manière où on nous insulte à Paris ici. Parce que nous, là, on n'a pas menti sur notre vie. Mm-hmm. Nous, là, quand on est venu là, sur les réseaux sociaux, là, on vous a dit. Parce que le mensonge, là, ça rattrape après. Mm-hmm. Si je viens mentir que j'ai BPC, il y a diplôme, il y a tel diplôme, il y a tel bac. Et demain, quand vous allez découvrir que ce que je suis venu dire là, mm-hmm. c'est pas ça là. C'est vous les mêmes là qui allez me vilipender. Mm-hmm. Donc, la première fois où nous, on est venu sur les réseaux sociaux, là, on vous a étalé notre vie. Mm-hmm. Mais c'est ce que d'autres personnes prennent aujourd'hui là pour se foutre de notre gueule. Mm-hmm. Mais toi, Dogomadou, là, est-ce que moi, je ne suis pas ivoirienne? Je suis ivoirienne. Je suis une chanteuse. Mais tu es une fois montée sur ton portable pour venir prendre ma défense parce que je ne suis pas ta soeur. Mm-hmm. Parce que je ne parle pas du là. Voilà. D'accord? Mm. Si j'étais du là, si de la manière où nous vilipendons sur les réseaux sociaux ici, là, toi, tu allais venir prendre nos défenses. Mais comme on n'est pas du là, tu vois même d'autres même rentrent même en bas de nous, ces personnes en sortent. Mais tu n'es jamais monté sur ton portable pour nous, pour prendre défense des filles de Saïwa. Mm-hmm. Alors qu'on se connaît, alors que nous menons le même combat. Mais comme toi, tu sais que ton combat, il est gauche. Mm-hmm. Tu mènes un combat qui est gauche. Tu ne mènes pas un combat qui est juste. Mm-hmm. De la manière que tu es gauche, là, c'est comme ça que tu mènes ton combat. Mm-hmm. Donc, Aïcha Koné, là, la petite qui est sortie, là, mm-hmm. elle n'a pas insulté, hein. Elle a interpellé mmh. Aïcha Koné que quand tu es une vieille mère là, mmh. que tu es grand-mère de d'autres personnes, tu es maman de d'autres personnes, il faut te faire respecter. Ça fait plusieurs fois, Aïcha Koné là,
elle pousse son bouchon là loin. C'est parce que c'est une vieille mère que quand elle fait ça là, nous on ne fait que l'interpeller. On lui dit, maman, où tu pousses là, fais très attention pour ne pas que tu glisses des mains. Parce que si tu as glissé là, on ne va pas te rater. Donc, Amadou, tu étais là. Tu as un problème avec Christelle. Christelle Nazoulou là. Nazi est là. Tu as un problème avec elle. Parce que si tu n'avais pas de problème avec elle là, sa vidéo là, tu n'allais pas prendre ça pour profiter de sa vidéo pour insulter le ministre Charles Blé Goudé. Il n'est pas dit. Mais si tu dis aujourd'hui aux gens que le ministre Charles Blé Goudé n'a jamais été ministre en Côte d'Ivoire, mais c'est que toi-même là, ton patron n'a jamais été ministre en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est que ton patron là, parce que c'est le pouvoir du président Laurent Gbagbo là que ton patron et Alassane Dramane Ouattara ne reconnaît pas. C'est 10 ans qu'il a fait en Côte d'Ivoire là. Lui n'a pas reconnu ça. Mais nous luttons aujourd'hui là, c'est pas parce que le ministre Charles Blé Goudé a été ministre en Côte d'Ivoire que nous luttons. On lutte pour le combat qu'il a fait. On lutte même pour ce qu'il a fait. Et vous là, vous avez lutté aussi. Au début là, vous n'avez pas lutté. Donc vous avez vu le ministre de la manière il a donné sa peau. De la manière il a tout donné. Donc si Ouattara même dit que lui n'a pas connu, il ne reconnaît pas le gouvernement du président Laurent Gbagbo là. C'est toi dans ta bouche là. C'est dans ta bouche là que ça doit sortir. C'est toi qui dois venir parler parce que toi tu dis que tu es caméléon. De la manière tu dis que toi tu peux parler bien aujourd'hui et puis demain là tu peux tourner ta langue là. Mais tout le monde est comme ça. Donc Madou, nous on t'a dit. De la manière tu es caméléon là. C'est comme ça. Nous aussi on est caméléon. Le jour on est venu te dire merci là, on t'a dit que si tu sors, on sortira. Nous on n'a pas manqué à te dire ça. Mais un jour, moi je t'ai dit. Et Sona qui a expliqué ça hier dans son direct. Que c'est elle qui a envoyé l'idée. Quand elle a envoyé l'idée là, c'est elle qui a appelé Okosi Papa Nicolo. C'est comme ça Okosi Papa Nicolo est parti vous chercher. J'ai dit qu'il y a un animal dans nos forêts là. Son nom là, on appelle ça Boilet. Je ne connais pas le nom en français. Boilet là, sa peau est noire. Donc quand tu vas chercher un enfant là, quand tu lui dis viens on va manger là. L'enfant va se laver les mains. Marie Adou, comment tu vas, ma Nazareth? Il va se laver les mains. Il vient. Et puis tu lui dis, ta peau est noire, va te laver les mains. Il s'en va à quoi? Il se lave les mains. Il revient. Oh, ta peau est trop. Ça veut dire que tu refuses qu'il mange. C'est parce que ces personnes qui sont allées vers vous là. Okosi Papa Nicolas qui est allé vers vous là. C'est parce qu'il a vu vos langages sur les réseaux sociaux. Le pardon que vous demandez là, c'est ce qui l'a motivé. Et puis il allait vous chercher. Donc, le fait que Okosi allait vous chercher là, il a mal fait quoi. Il a dit que vous êtes des Ivoiriens. On est tous des Ivoiriens. On vient de la même famille. Mes frères et sœurs, on n'a qu'à laisser les petits guinguins venir, on va manger là. C'est un mauvais quoi. Mais si toi tu ne veux pas manger, mais tu n'as qu'à rester ailleurs. Donc si toi tu sais que ces personnes-là, tu as un guingue contre eux là, et que demain là tu vas faire une sortie où les gens vont venir t'applaudir, et le lendemain encore tu vas faire une sortie où tu vas venir les vilipender. En ce moment, quand il y a un problème, tu ne fais pas de sortie. Tu les laisses dans leur merde. C'est toi qui veux mettre ton leader sur un plateau d'argent pour que tout le monde là, tout le monde. L'insulte. Mais nous, le mien là, nous on ne veut pas. Il n'est pas un objet. Blé Goudé là, on ne le voit pas. Il n'est pas sur un plateau d'argent. Donc si toi tu ne respectes pas ton leader, mais respecte nous, notre leader. Nous on l'aime. C'est pour ça hier, tous ceux qui ont fait leur vidéo là, c'est pas parce qu'on n'avait pas envie de parler. Dans la vie là, quand tu veux poser des actes là, regarde derrière toi. Parmi vous là, il y a des gens qui parlent du bien du ministre Charles Blé Goudé. C'est pas pour toi seul que on va associer tout le monde. Non, toi. C'est pas pour toi, donc on m'a dit seulement, on va vous voir tout le monde. C'est toi qui es bête dans la tête, mais ceux qui sont autour de toi là ne sont pas bêtes aussi. C'est toi qui es renversé, mais ceux qui sont avec toi ne sont pas renversés comme toi.
C'est toi qui vois la vie en envers. C'est toi qui ne penses pas à demain. Toi, tu dis, je parle là, moi j'ai fini. Mais tu ne penses pas à demain. Tu ne penses pas à ce qui va venir demain. Mm-hmm. Tu ne penses pas pour dire demain là. Le ministre Charles Bleu-Goudé que je suis en train de salir là, c'est mon frère de Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Demain là, je peux le saluer. Demain là, il peut être mon président. C'est toi qui ne penses pas à ça. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, là, quand toi tu tapes ta poitrine là, tu dis à part Soro Guillaume là, c'est Soro Guillaume Sorma qui sera le président de la Côte d'Ivoire. À part lui là, personne ne peut commander ce pays là. Mais attends, enlève les cailles qui sont dans tes yeux. Mm-hmm. Ne donne pas l'occasion à des gens de vilipender ton président. Si toi, tu ne le respectes pas là, mais ceux qui sont avec toi là le respectent. Mm-hmm. Aujourd'hui là, nous voulons la paix. Nous, on lutte aujourd'hui là pour le ministre Charles Bleu-Goudé là, pour qu'il prenne le contrôle de la Côte d'Ivoire là. Il ne va pas gouverner les bêtés. Mm-hmm. Voilà le combat que nous menons. Le ministre Charles Bleu-Goudé, s'il prend le contrôle de la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas les bêtés seulement qu'il va gouverner. Mm-hmm. Il va gouverner les 64 ethnies de la Côte d'Ivoire. Là. Mm-hmm. Dans les 60 ethnies, là, vous mm-hmm. faites partie. Mm-hmm. Nous, on n'est pas à la scène pour diviser un pays. Mm-hmm. C'est à la scène Dramane Ouattara qui a divisé ce pays-là. Et puis, non, là, il y avait président pour Nord, et puis il y avait président pour d'autres ethnies. Mm-hmm. Non, Bleu-Goudé, là, s'il prend la Côte d'Ivoire, là, il ne va pas là-bas pour diviser ce pays-là. Et puis d'ailleurs, mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous êtes sur, pourquoi tu es sur la défensive? Non, c'est toi seul que je vais... Voilà, je ne vais pas vous voir. Pourquoi toi tu es sur la défensive? Pourquoi tu penses que si demain Alassane n'est pas là, si quelqu'un d'autre récupère ce pays-là, vous là, vous êtes foutus. Pourquoi tu réfléchis comme ça? Quand Laurent Gbagbo était en Côte d'Ivoire, là, quand il était le président de la Côte d'Ivoire, là, on vous tuait, nous. Quand Kounam Bédié était président de la Côte d'Ivoire, là, les Goulas, là, on les tuait. Mm-hmm. Quand Félix Houphouët-Boigny était président, là, on vous tuait. Mm. Quand Guéï Robert est venu balayer, là, est-ce qu'on vous avait tué? Non. On vivait bien. On s'est mariés entre nous. Il n'y avait pas d'histoire. Il y a Goulabougou. Chez nous là-bas, il y a des Goulabougou. Il y a tout. Partout, dans tous les villages bêtés, il y a des Goulabougou. Toi-même, tu es des Divo là. Est-ce que tu es vraiment des Divo? Tu as un village. Mais c'est parce que tu es né à Divo. Tu as grandi à Divo aujourd'hui que quand tu parles là, tu dis moi je viens de Divo. Sinon, ton village là, c'est pas Divo. Tu es de la Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu ça entre nous, famille. À chaque fois que nous, on vient vous dire. Toi, on vient te dire, nous là, le ministre Charles Bleu-Goudé là, c'est pas lui ton cible. Si tu dois être contre quelqu'un là, c'est lui qui a enlevé ton président là, au pouvoir là, qui l'a ramené en exil là, c'est lui qui est ton ennemi. Le ministre Charles Bleu-Goudé n'est pas ton cible. Donc Christelle là-haut, elle a fait une sortie sur Aïcha Kone. Parce qu'Aïcha Kone, c'est comme ça, hein, tout le monde, on voit ça comme ça. Hein, parce que vous tous là, on se voit dans la rue là. C'est pas moi, je vous dis. Hein, il dit c'est pas à cause des politiques que je vais voir mon frère ivoirien et puis ne pas lui dire bonjour. Mm-hmm. C'est toi qui vois les gens et puis tu n'as pas envie de les saluer. Mm-hmm. Mais moi, félicité, si je te vois là, moi je te dis bonjour. Mm-hmm. Parce que pour la politique là, moi je vais pas te dépasser. Mm-hmm. Toi, tu es sur les réseaux sociaux ici et puis elle est rentrée en bas de notre maman. Mm-hmm. On est artiste aussi. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on est connu aussi. On est sur YouTube, on est partout. Mm-hmm. Mais vous étiez ici, et puis les gens nous vilipendent. Toi, tu as une fois fait vidéo pour prendre nos défenses. Ou bien tu as fêté ton anniversaire, on n'a pas dit applaudir. Ou bien c'est la jalousie qui t'anime. Mm-hmm. Parce que sur le de Paris a fait son anniversaire, nous tous, on est sortis. C'est fini. Donc tu es devenu haineux. Mm-hmm. Sinon, dans ce que Christelle a dit là, elle n'a pas dit le nom de Soro Guillaume d'État. Donc, si tu voulais répondre à Christelle, là, pourquoi ne pas répondre à Christelle? Pourquoi ne pas dire ce que toi, tu pensais vraiment là, pour prendre la défense d'Aïcha Kone, là, pourquoi ne pas répondre à Christelle directement? Mm-hmm. Et ça, comme c'est Bleu-Goudé qui est, que c'est, Bleu-Goudé n'a plus de valeur à tes yeux. Mm-hmm.
La première des choses attaquées, c'est vrai vous. Et puis tu es tellement effronté, tu n'as pas honte. C'est pour ça, Sona, qui t'a dit hier que celui même que tu suis là, tu ne l'aimes pas. Mais nous là, c'est toi qui n'aimes pas ton lutteur. Toi là, c'est toi qui n'aimes pas ce Rogium. Nous là, on l'aime ce Blegoudé. Donc on ne peut pas te laisser. Et puis quand toi tu finis de gâter là, où les gens sont en train de parler de ça, là, tu attaques d'autres sujets. Là, ça veut dire que tu prends les gens pour des imbéciles. Hein? Foutaise. Tu mets foutaise sur les gens. Donc Madou. Tu es qui même? Donc la drogue que tu prends là, il faut essayer de mesurer ça. Quand tu, si tu te drogues là, il faut essayer de mesurer ça. Dis-toi qu'on est des frères et sœurs. Quand tu veux faire une sortie, il faut analyser d'abord. Tu n'es pas en guerre avec quelqu'un ici. Si tu veux prendre la défense d'Aïcha Kone là, qui est dans le jupon des enfants là, c'est même qui ne se considère pas, c'est qui ne se respecte pas là. Vieille femme comme celle qui est dans politique là, tu ne veux plus chanter. Mais si tu veux défendre aussi Nadia Ali Baba, fais comme nous. Béatrice, comment tu vas, Béa? Ma Nazareth, big up à toi, chérie. Si tu veux défendre Aïcha Kone là, ben, si Aïcha Kone veut faire la politique là, elle met son portable devant elle gaillardement. Et puis elle parle de la manière Sona qui a fait, de la manière notre soeur Maïliba a fait aujourd'hui. On était trois dans cette histoire. Maïliba a mis son portable. C'est Maïliba que nous on a suivi aujourd'hui, notre grande soeur là. Voilà pourquoi les ouais là, samedi là, quand ils ont fait leur sortie, ils ont dit hommage à Maïliba là. Nous on ne fait pas les sorties bidon bidon. Quand nous on fait une sortie, on va chanter quelque part là, c'est l'argent, on nous paye. Mais du moment qu'ils ont placé la photo de Maïliba là, nous on est parti chanter gratuitement, sans demander 5 francs. Sona qui est sorti gratuitement, sans demander 5 francs. Parce que c'est notre guerrière, c'est notre combattante, c'est elle-même qui nous a amené même. Dans l'histoire des cyberactivistes là, c'est elle qui nous a libérés, c'est elle qui a dit que tu es artiste là, tu peux te battre pour ton pays. Sinon depuis là, nous on chantait. On a suivi Maïliba. Mataba. Big up à toi, ma gazelle là, la combattante. Ouais. On a suivi Maïliba. Donc si Aïcha connaît là, si elle veut supporter Nadia Ali Baba, la Kiza professionnelle là, celle qui a créé les entreprises de Kizaria là, elle n'a qu'à mettre son portable devant elle. Elle n'a qu'à mettre son portable et puis elle va venir défendre Nadia Ali. Mais quand tu as une personnalité comme ça là, que toi tu veux que les enfants de rien du tout là, te tripotent là. Mais nous on l'a tripoté, hein. Donc Madou, Aïcha Kone là, elle s'envoie sur un plateau comme ça. Donc nous là, on va danser dans elle et puis on fait rien, hein, ça. Tu n'es pas content là, faut caler en l'air. Quand toi tu veux parler aux jeunes là, tu dis oui, bon, si vous voulez inciter moi, hein, je sais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est en train de dire là, demain encore, ça, je peux sortir. Ah, mais comme on va te prendre pour un animal, donc demain encore là, tu vas parler du bien là, personne ne va te, personne ne va te dire merci, parce qu'on va te prendre pour un imbécile, parce que c'est, tu es irréfléchi, tu ne réfléchis pas, il toi tu réfléchis à navet. Il est en train de dire. C'est parce que moi je t'ai pris pour une personne, voilà pourquoi quand tu as posé hâte. Et puis je t'ai dit, ah, c'est mon frère. Tu as ton parti, tu n'étais pas obligé de faire une vidéo pour Blegoudé. Et tu l'as fait, moi je t'ai dit merci. Mais je ne savais pas que mon merci allait me revenir moi-même. Donc, Dogomadou, Aïcha Kone qui t'a envoyé sur un plateau d'argent là. Nous on l'a piétiné ce soir là. Et puis si tu es garçon là, hein, Dogomadou, tu es garçon là. Ça veut dire que si toi-même tu sais que dans la chambre là, si tu bandes là, moi, ma sortie de ce soir là, il faut faire direct. Et puis, tu vas me répondre. Ma petite soeur, attends d'abord. J'ai dit, Dogomadou, moi, je vais te dire ce soir là. J'ai dit, quand nous, on est là, là, quoi. Quand on réfléchit comme ça, là. Et puis, on est là. Et puis, on est serein. Et puis, on est là, là, quoi. Attends, je vais te dire. C'est à cause des sourds de Paris. Maman. Douska Beakoukounyo. Ma gazelle, comment elle s'appelle là? Nina la Lionne. Un mon artiste.
qui fait les théâtres là. Éléonore. Et c'est à cause de les personnes là. Je suis en train de citer là. C'est à cause de. D'accord? Mais moi, je vais te demander. Tu dis, Blé Goûté n'est pas ministre. Mais c'est vrai. Toi là, donc on m'a dit attention. Attention. Moi, je vais te lancer des défis ce soir là. C'est tout ce que je vais dire. Je te lance défi ce soir là. Où je suis en train de parler là. Je te lance. Amener vidéo là à Dogomadou. Tu es vilain. Quand tu parles là, tu parles comme. Tu es vilain, c'est comme ça. Tes paroles là sont vilaines. Tu n'es pas beau même. Sur les réseaux sociaux, là, quand moi je te regarde là, tu n'es pas beau. Et puis tu parles comme. Tu es vilain et puis tu parles. Tes paroles là sont vilaines. Qui t'a donné femme là même? Femme là aussi, il n'est pas vie mari, il allait marier Dogomadou. Nous deux là même là, nous deux là, on est même chose. Toi, ton français là est tordu, pour moi est tordu. Là. Nous là, quand on parle là, quand les bonnes personnes parlent là, nous deux là, on va être derrière. J'étais toujours dit ça. Dogomadou, collègue. À côté, ceux j'ai cité leur nom là, à côté là, quand tu veux parler là, tu es coincé. Tata, toi-même, on te voit même pas. C'est France Capra. Quel avion même qui t'a amené ici même? Avion qui est là, ça ne trie pas. Ça amène les Dogomadou ici. Eh, France aussi, oh. Qui t'a envoyé ici? C'est France, oh. Sinon, Blé Goûté, c'est toi qui allais essuyer ceci-là. Et puis, tu vas ouvrir la porte de voiture. Et puis, Blé Goûté va rentrer. C'est toi qui parles de lui. Tu es comment même? Et puis, quand je te vois là, quoi? Aujourd'hui, là, ça, c'est ton terminus. De parler de Blé Goûté, là, ça, c'est ton terminus. Je te lance un défi. Si tu es garçon, là, quoi? Il faut sortir et puis tu vas dire non de Blé Goûté. Mais tu vas attendre ce qui. Ton air qui va parler ici là, c'est moi. J'ai dit, oh, c'est quoi? Et puis ce qui m'énerve là, quand nous là, tu envoies quelque chose, on est en train de parler de ça ici, tu attaques l'autre sujet. Et puis, on dirait, tu nous prends, nous qui n'ont pas allé à l'école là, tu nous prends comme on est des bêtes. Ceux qui sont partis à l'école aussi, on dirait, ils sont des bêtes. Tu as voyé problème, on est en train de parler de ça. Tu t'as attaqué problème encore. On dirait, c'est toi seul qui es ici là, c'est toi, on va regarder. Pourquoi même tu es vilain comme ça? Hein? Moi-même là, je parle là même à mon nez là. Pour respirer là, je ne respire pas. Parce que c'est collé dessus. Moi-même, je ne suis pas belle. Toi, tu n'es pas beau. C'est nous deux là, on va être derrière. Ceux qui comprennent français là, nous deux là, on va être derrière. Mais c'est toi, tu ne connais rien, c'est toi qui vas être devant. Avion trie pas, hein. C'est toi, pourquoi? C'est pour ça que tu parles de Blé Goûté. Attends, et te dire. Hé! Hé, hey, Dogomadou là. Christelle, ma Nazareth, hey, comment tu vas? Dogomadou. Hé, hey, Soro Guillaume là. Hé, hey, regardez. Quand Soro Guillaume passe là. Hey. Les casseroles là, ça fait bro, 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 bro. Donc, attention. Quand nous, on te regarde comme ça. J'ai cité des noms tout à l'heure là. C'est à cause de eux là. Nous on est comme ça. Et puis on regarde. Sinon, ce n'est pas à cause de toi. Ceux on a cité leurs noms là. On n'est pas peur. On n'est pas. C'est pas qu'on a peur. Mais ils nous respectent. C'est pour toi, vilain bonhomme là. C'est pour ça qu'on te regarde.
Sinon, ma petite soeur, ma fille, je vais dire ma petite soeur même. Ma fille est nazie là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ma fille, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Si nazie parle là, tu parles, tu prends ton vide, tu prends ton téléphone là, tu mets à côté de toi, tu parles. Tu insultes ma fille. Mais tu peux pas laisser ma fille nazie et puis tu vas aller taquer bré goûter. C'est pour ça que j'ai dit. Ce regard là, il a des casseroles qui fait comme ça. Pa, 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 pa. Quand ce regard passe là, il y a beaucoup de casseroles qui font du bruit. Nous, on a traité tout, je dis. Code qu'ils ont envoyé là. Code là, peut quitter ici. Pour aller à Bika. Les casseroles là. Qui est derrière ce royaume là. Nous, on est en train d'enlever un peu. Tellement c'est beaucoup. Nous, on est en train de tout faire pour enlever un peu. Et puis, casserole là va finir. Mais quand on enlève un peu là, toi, tu viens et puis tu colles. On enlève, tu viens, tu colles. Donc, pour pas, on va laisser ce rogum. Parce que tant que les casseroles là quittent pas là, ton ce rogum là, il ne peut jamais devenir président dans notre pays là. Donc, nous là, on est en train d'enlever les casseroles là un peu. Derrière ce rogum. Donc, pour pas venir augmenter. Donc, on m'a dit, virer bonhomme là. Pour pas venir au Goumaté. Parce que nous, on est en train de tout faire pour enlever les casseroles là. Parce que ce royaume là, c'est notre frère. Nous, on est en train de. On fait marmite là. On fait ça bien. Toi, tu viens, tu casses seulement. Tu casses, on colle. Tu casses, on colle. Donc, on va être. Nous, on n'est pas là pour vous. Nous, on n'est pas là pour coller seulement. Quand on parle de quelque chose là, ça finit. Mm-hmm. Quand on parle de quelque chose dans le pays là même où on est là, ils ont fait palabre. Il y a des milliers de personnes qui sont décédées dans le pays là où on est là. Donc quand on dit on n'a qu'à être ensemble là, c'est pour ça qu'on court derrière vous. Que c'est notre, c'est, on est des frères. On est en train de coller. Toi, tu viens, tu. Hey, dans votre parti là même. C'est Dogomadou là qui vous. On dirait que c'est Dogomadou qui paye votre maison. Hein? Parce qu'il fait des trucs. Et puis vous êtes là. Et puis vous le regardez. Et puis il gâte seulement. Nous là, on peut pas attaquer ce regard. On ne peut pas. Nous là, on ne taque pas ce rogion. Mais toi, c'est à toi de Gomadoula. Je vais attaquer. Parce que dans GPS, là, quand tu regardes les enfants, les petits, les enfants, les femmes là, ils sont beaux. Toi, tu es viré dedans. Et puis tu as viré bouche là. Et puis tu parles. Tu es viré parmi eux là. Tu es viré jusqu'à. On ne sait même pas qui t'a mis au monde même. Notre vieille qui est. À Divo là-bas, qui t'a mis au monde là. Il t'a vomi vraiment. Ta grossesse là même, il a souffert avec. Parce que tu es viré. Tu n'es pas bon. Et puis quand tu parles là, tu t'as cherché tous les problèmes là. Et puis tu viens. Et puis nous on est là. Quand nous on sort comme ça là, tu es là et puis tu rigoles. Moi, je suis venu, j'ai mis bam, ils sont en train de courir. Moi je suis là. Ils vont finir à quoi? Je vais mettre bam. Il n'a qu'à mettre encore. C'est la dernière. Amenez vidéo là-bas, le vilain type là. Amenez vidéo là. C'est la dernière fois aujourd'hui. Tu parles de. Dans ta bouche là, tu parles de brécouter. C'est la dernière. Ça, c'est le dernier kata. Laisse-moi défi. Tu vas voir ce que je vais faire sortir là. Tu vas voir. Si tu es garçon, la nuit là, ma soeur qui est chez toi là-bas, ma fille,
qui est chez toi là, si tu dors avec lui la nuit, il faut dire le nom, te prégoûter dans ta bouche là, dans ta vilaine bouche là, tu es vilain comme ça là, et puis tu parles de prégoûter. C'est les bons garçons qui parlent de prégoûter. Tu es vilain, Amina Bredé. Vilain type comme ça. Sauvage. Couillon, badier salaud. Donc, Madou, tu as attendu ta vie, elle m'a chiffonné ce soir-là. Elle dit elle-même, elle est vilaine. Toi aussi, tu es vilaine. C'est vous deux, là, vous devez être complices. Mais toi, tes amis sont là. Les mamans d'Ouska, les Soules de Paris, les Nina La Lyon, les Eleonore Kwame, les choses, comment on appelle, Béa Koukounion, eux, ils sont en train de coller le morceau. Parce qu'ils se disent qu'on est une famille. Aujourd'hui, ce que nous voulons là, on veut manger ensemble. On veut rigoler ensemble. Alassane veut nous diviser. Nous, on ne veut plus cette division-là. On veut être unis. Mais toi, dans GPS là, toi, tu ne veux pas l'union. C'est que toi, tu veux là. Tu veux la séparation. Et puis, tu veux que les gens soient toujours en guerre. Tu veux qu'on vienne sur les réseaux sociaux et puis on va se lancer. Mais ça, c'est pas bien. On ne va pas vieillir dans ça. On va pas vieillir dans ça. Et ce radio même que tu suis aujourd'hui là, il n'a vraiment pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Si ce radio là, s'il avait besoin de ça là, il n'allait pas vous dire de demander pardon aux Ivoiriens. Si ce radio là, il voulait rester sur sa position là, il n'allait pas parcourir. Les femmes bêtées, on a nos mamans bêtées qui sont parmi vous là. Il n'allait pas aller s'engenuer devant nos mamans là, de demander pardon aux Ivoiriens. Ton leader se bat. Ton leader n'est pas en guerre avec Blé Goudé. Moi, je t'ai toujours dit. J'ai dit l'homme avec qui Blé Goudé doit faire sa politique. Là. Cette jeunesse, quand nous, on parle sur les réseaux sociaux, oh tu ne nous attends pas. Elle n'attend pas. Les matas qui font les directs, même Nazi, même que tu es parti insulter cette petite-là, qui t'a jamais manqué de respect. Nazi qui t'a jamais manqué de respect. Dans ces directs, même quand elle parle là, elle dit... Ce rogium et Blé Goudé, c'est vous deux là-haut. Ce rogium, je me mets la fin direct spécialement pour ce rogium. Les gens qui parlent de votre leader comme ça, mais toi, non, quand non. Tu sors là, hein? C'est pour nous dire que nous, on est des bêtes, on est des sauvages. C'est nous là, on est renversés. C'est nous, on prend notre temps pour parler de votre leader. Non, parce que nous voulons la réconciliation. C'est parce que, il a dit, oh, tête de cochon là, il y a quoi? Ouais, chérie. C'est Amira Prété. Faut pas Amira me frapper. Hein? Amira Prété. Il est vilain. Moi-même, je suis vilain. Nous, on ne peut pas s'insulter. Vilain type. Guédi, Nazie, elle a fait un direct. Où elle a donné conseil à Soro Guillaume. Que Soro Guillaume prend soin de toi. La politique, là, nous, on lutte pour la jeunesse aujourd'hui. Mais quand nous disons qu'on lutte pour la jeunesse là, on ne met pas, c'est pas ton, on met pas ton président à l'écart. Ton président, il est jeune. Il est jeune. Si on dit qu'on lutte pour la jeunesse là, on parle de cette jeunesse là. Donc Aïcha Koné là-haut. Aïcha Koné, toi tu es venu. Mettre la zizanie entre nous. Actuellement là, où nous on est à Paris ici là, quand on ouvre nos bouches là, c'est pour réclamer le passeport du ministre Charles Blé Goudé. Pour qu'il rentre dans le pays où toi tu te trouves là. Et puis à chaque fois qu'on te prend des photos, et puis tu es dans le canapé là. Tu es assis dans le canapé et puis tu es en train de maigrir dedans là. La maladie qui te fatigue là, si Nathalie Pampa, si elle est trop riche là, elle peut t'envoyer en Europe ici. Pour te soigner. Voilà. Si tu veux vraiment protéger Nadiali Bamba là, diabète qui est en train de te fatiguer là, Nadiali là, elle peut t'amener en Europe ici. Et puis ils vont te soigner. Si tu veux faire la politique aussi, madame, l'artiste qui ne veut pas qu'on la respecte, nous les morveuses comme ça là, quand moi-même je suis venue au monde là, j'avais 300 ans, j'ai entendu parler de toi. C'est toi qui veux qu'on te manque de respect. Donc nous allons te manquer de respect. Nous les petits comme la petite qui a fait son direct, elle t'a pas. Ça veut dire qu'elle t'a rien dit encore. Nous autres là même là, on n'a pas encore mis nos bouches même sur toi. Ça veut dire qu'on
s'est pas encore levé même sur toi. Et donc, Madou est venu vendre selon Guillaume sur un plateau. Donc, moi, je suis en train de demander à Dogomadou. Que Dogomadou, toi-même, tu étais ici. Père, ma grande soeur qui est morte, ma Yiliba. Tu as vu ici, les gens enlever sa culotte comme ça, puis ils ont mis ça au soleil. Sona qui a fait direct hier. Les gens enlevaient sa culotte comme ça et puis ils ont mis au soleil. Nous-mêmes qui te parlons aujourd'hui, là, nous sommes des artistes aussi de Côte d'Ivoire. Toi, tu ne parles pas de nous. Nous, là aussi, ils ont enlevé pour nous, là, ils ont mis au soleil. Toi, tu n'as jamais fait vidéo parce que Aïcha connaît Gula, quoi. Mais nous, on s'en gâte pas qu'elle soit Gula ou nous, pas. Nous, on s'en fout de on s'en fout d'elle. Voilà. Du moment qu'elle est venue mettre sa bouche dans notre affaire, là, elle veut qu'on la décortique. Donc, nous allons la décortiquer pour la déposer là. Quand tu as une personnalité que tu ne veux pas te respecter là, et que tu veux que des petites filles comme ça te manquent de respect, mais ce respect, elle ne le mérite pas. Le respect que tu dis, nous on n'a qu'à respecter Aïcha Kone là. Faut dire Aïcha Kone là, où elle allait mettre sa bouche là. Est-ce qu'elle a respecté aussi le ministre Charles Prégouté? À cause de l'argent, elle est partout. Donc Madou, on est venu te dire que ton Aïcha Kone là, elle est très ingrate. Malhonnête. Oui, oui. Donc, Madou, va dire à Aïcha Kone que les abeilles du ministre Charles Blegoudé disent les sémesses d'Éric de Simone et Yves Gbagbo dit tu es très ingrate. Tu es une femme ingrate, tu es malhonnête, tu n'es pas reconnaissante. Voilà pourquoi maladie ne va pas finir dans ton corps. Parce que tu n'as jamais été mariée là. Tu as été maîtresse durant toute ta vie là. Voilà pourquoi tu soutiens une maîtresse. Va lui dire ça. Dis à Aïcha Kone qu'elle n'a jamais fondé foyer. Elle ne sait pas ce qu'on appelle foyer. 50 ans de foyer, là, elle n'a jamais fait ça. De la manière, Nadia Ali est une passoire, là. Elle-même, elle est une passoire. Voilà pourquoi, là, elle parle du ministre Charles Blegoudé. Donc, Madou, c'est toi qui nous as provoqués. Où Nazi est venu parler tout calmement, là. Nous, on n'allait pas faire de sortie. Mais du moment que toi, tu es venu nous dire que tu es devenu défenseur d'Aïcha Kone là, nous, on rentre d'Aïcha Kone. Dis à Aïcha Kone que Nadia Ali Bamba, cette effrontée là, cette qui s'est effrontée là, cette veuve noire là, Karagba la sorcière là, le président Laurent Gbagbo qui vit encore et puis elle fait son deuil là. C'est une passoise. Donc Aïcha Kone, elle est une passoise. Tout le monde est passé dans elle. Voilà pourquoi elle soutient Nadia Ali Bamba. Moi, il a crié va lui dire ça. Ça là, c'est versé comme ça. Va dire ça. Dis Aïcha Kone que si elle est une femme honnête, si elle n'est pas ingrate, malhonnête en même temps là, elle ne va pas soutenir ce qui est en train de se passer là. Dis Aïcha Kone que elle n'a jamais mérité. Ça veut dire que elle voulait être à la place de Nadia Ali, la Kiza professionnelle, celle qui a créé les entreprises de Kizari en Côte d'Ivoire là. Elle voulait être à sa place. Dis Aïcha Kone que Simone Gbagbo qui t'avait donné de l'eau à boire là, il s'agit de son mari. Va dire ça à Aïcha Kone. Dis Aïcha Kone que elle sait que Laurent Gbagbo là, il est passé là-bas aussi. Voilà pourquoi là, elle est contre Simone et Yves Gbagbo. Va lui dire ça. C'est une passoire. Dis Aïcha Kone, elle est une passoire. Si elle a été mariée là, de la manière elle s'est comportée là, elle allait interpeller sa soeur Gula là pour dire qu'on ne fait pas ça. Mais celle qui soutient Alette Zate aujourd'hui, celle qui paye, celle qui court boubou pour Alette Zate, pour lui donner, pour féliciter Alette Zate. Aïcha Kone, tu es une passoire. Comme ta patronne. Vous êtes des passoires. Association des passoires. Vous êtes des carrefours. Vous êtes des terminus. C'est là tout le monde, c'est dans vous là, tout le monde vient s'égarer. Quand tu es une vieille femme là, tu es grand-mère des gens là, tu te respectes pour qu'on puisse te respecter. Comme Dogomadou a dit, c'est lui qui prend ta défense, nous on va rentrer dans toi et puis il va venir nous répondre. Dogomadou, dis à Aïcha Kone qu'elle est une passoire, voilà pourquoi elle supporte Nadia Ali Bamba. L'étiquette qu'on avait pour elle là, elle dit on n'a qu'à mettre ça dans trou de rat. Donc nous là, on met ça dans trou de rat. Vous dites ça à Aïcha Kone. Dis à Aïcha Kone que
C'est pas ses cheveux qu'ils ont arrachés. Mmh. Mmh. Va dire ça à Aïcha Koné. Dis à Aïcha Koné que c'est pas elle qu'ils ont maltraité. Oui, oui, va dire à Aïcha Koné. Donc, on m'a dit. Dis à Aïcha Koné que c'est pas elle qu'ils ont botté. Mmh. Va dire ça à Aïcha Koné. C'est un grand travail, lui dit ça. Dis à Aïcha Koné que ce n'est pas elle qu'ils ont traîné dans la boue. Va dire ça à Aïcha Koné. Cette passoire-là, va lui dire ça. Mmh. Parce que c'est elle qui était là. Quand Alassane Dramane là, il comptait les 5, 25 millions pour donner au ministre Charles Blé Goudé là. Elle était là. Va lui dire ça. Toi, une vieille comme ça, tu ne te respectes pas. Toi, une diva de la Côte d'Ivoire que tout le monde respecte, c'est toi qui mets ta bouche où il ne faut pas mettre. Tu penses que nous, on va te rater. Tu es une passoire. Mmh. Tu es comme ta patronne. C'est que tu as chanté son nom là. C'est une passoire. C'est une... Elle est terminus de tous les hommes du monde. Oui, oui. Elle même aux côtés du président de Rock Babo, puis d'autres garçons passent dans elle. C'est une passoire. Mm-hmm. Elle n'est pas digne. Oui, oui. Va lui dire ça. Une veuve. C'est nous, on a dit ça. Va dire ça à Aïcha Koné. Donc on m'a dit, Dieu a Aïcha Koné que elle est Nadia Di Pampala, c'est des passoires. C'est des terminus. Tous les hommes d'Abigail, ils sont passés dans eux. Oui, oui. C'est pour ça qu'elle prend sa défense. Elle est qui? Va dire ça à Aïcha Koné, donc on m'a dit. Dagomadou, défenseur de Aïcha Koné. C'est de toi qu'on parle. Dis à Aïcha Koné que elle était là quand Alassane Dramane. Parce qu'Aïcha Koné dit c'est Nadia Di Pampala qui lui a dit que Alassane Dramane comptait 25 millions pour venir donner à Blé Goudé. Donc il faut lui dire que c'est où elle était partie coucher avec Alassane Dramane Ouattara là. Faut pas elle va prendre la Kisa là à témoin. Mm-hmm. C'est où elle est partie chercher elle-même là. Sa maladie là, c'est là-bas elle a pris. Dis à Aïcha Koné qu'elle est une passoire. Mmh. Comme sa patronne. Mmh. Va lui dire ça. Donc, Madou, de quel droit toi tu as insulté ma petite soeur? De quel droit? De quel droit, donc, Madou? J'ai dit que moi là, je ne vais pas insulter Soro Guillaume. Parce que nous là, on a besoin de Soro Guillaume. Soro Guillaume a besoin de nous aussi. Mmh. Oui, oui. Parce qu'il a besoin qu'on parle de lui. Pour que les Ivoiriens puissent l'aimer. Mais... Donc moi là, de la manière je protège mon Blé Goudé là, c'est comme ça sur le de Paris là, il protège Soro Guillaume. Donc à cause de sur le de Paris là, ça toi, ça ta chose, Aïcha Koné là va travailler, puis ton cœur là va exploser. La nuit là, il te donné les somnies, donc on m'a tout. C'est moi qui dis ça. Toi si tu Blé Goudé, on dirait que c'est la nuit là. La nuit là, tu vas avoir les somnies. Mais si tu es garçon, que tu as vraiment des couilles là, si tes couilles là même là, si tu bandes là, demain, il faut faire une sortie. On t'attend. Il est descendu. Il a dit, il est piétiné. Petit esservéré comme ça, tu n'as aucun respect pour tes aînés. Parce que tu as fait guerre ou bien sans que tu as bu là, c'est ça qui te dérange. Oui. Sans que tu as bu là, ça te dérange. Les Ivoiriens que tu as tués là, c'est leur esprit là qui te donne les somnies. Hein? Et puis quand toi tu finis de piquer les gens, on est en train de parler de ça, toi tu joues au gros dota, ça veut dire que tu n'as rien à foutre avec nous quoi. N'importe quoi. Toi tu te prends pour qui, Dromadou? Ce Guillaume là, personne, parce que toi, c'est ce que mon artiste préféré a dit hier, tu n'aimes pas ce Guillaume. Donc toi par toi là, nous on ne veut pas passer par toi pour insulter ce Guillaume. C'est toi qui es bête, c'est toi qui es sauvage, c'est toi qui n'as rien dans la tête. Aujourd'hui, là, ce Guillaume là, il a besoin des Ivoiriens. Donc, tu veux le vendre là. Nous, on ne va pas l'acheter. Tu mais on va simplement te dire que c'est à cause d'Aïcha Koné qui a insulté le ministre Charles Blé Goudé. Donc, c'est Aïcha Koné qui va insulter ce soir là. Dis à Aïcha Koné que si elle n'a pas bu l'eau de Simone et Yves Gbagbo, si elle n'a jamais salué Simone et Yves Gbagbo dans sa main là, si elle n'est jamais, si elle s'est jamais rendue chez Simone et Yves Gbagbo, si elle n'a jamais chanté devant Simone et Yves Gbagbo, ce qu'elle est en train de faire là, c'est là ça va aboutir. Dis à Aïcha Koné que elle et sa patronne, c'est des carrefours, les terminus. C'est là tous les garçons là vont se garer. Mmh. Va lui dire ça. C'est une passoire. C'est pour ça qu'elle supporte les gens qui insultent mère contre des gens. C'est une passoire. C'est pour ça qu'elle soutient Alette Zaté qui a pris 4 ans. Pour insulter Simone et Yves Gbagbo. C'est une passoire. C'est pour ça aujourd'hui, elle cautionne. Elle a produit ce bouquet de la Mauritanie d'insulter Simone et Yves Gbagbo. Parce qu'elle est pareille. Aïcha Koné, tu es aigri. Aïcha Koné, tu es aigri. Tu n'as jamais été mariée. Tu n'as jamais connu foyer. Tu es aigri.
Parce que si tu ne fais pas ça, Nadia Libamba ne va pas te donner 5 francs pour que tu puisses te nourrir. Parce que tu es devenu zéro aujourd'hui. Tu es zéro aujourd'hui. Tu es zéro. Tu as chanté jusqu'à là. Où on doit rester là pour, pour ta produit là. C'est là toi maintenant, tu tombes. Si tu es venu te vendre sur un plateau comme ça. Puis nous, les petits, te serviraient comme ça. Nous, on te manquait du respect. Tu ne méritais pas notre respect. Tu es une passoire. Tu es terminé des garçons de Côte d'Ivoire. Tout le monde est passé par toi. Voilà pourquoi tu supportes Nadia Li, la Kisa internationale. Dogomadou, tu es où? Tu es où? Nous, non. Dogomadou, va dire ça à Aïcha Kone. Les femmes qui soutiennent Alette Saté, qui sont derrière, hein? Qui sont derrière la Kisa là, cette frontée là. C'est qui, Marie, qui ne t'appartient pas. Vos maudia. C'est nous, on a dit ça. Vos maudia. J'ai dit, donc on m'a dit, dis à Aïcha Kone que elle est grippe. C'est pas Simone Gbagbo qui l'a empêché de ne pas se marier. Va lui dire ça. Donc on m'a dit, à Aïcha Kone que comme elle était une passoire, tout le monde est passé par elle là. Et puis, ils ne l'ont pas pris en considération. Ce n'était pas Simone Yves Gbagbo. Qui a dit qu'elle n'a qu'à être un carrefour. Et puis tous les voitures vont tourner dans elle. C'est pas Simone Yves Gbagbo. C'est pour rien elle est contre cette femme-là. Oui, oui, va lui dire ça. Donc on m'a dit, dis à Aïcha Kone que l'homme qui elle a fait enfant et puis il a mis chiette là, ce n'était pas Simone Yves Gbagbo qui était à la base. Va lui dire ça. Ou bien, c'est nous on a parlé, on est en train de crier. Tu es garçon, non, tu as des couilles en bas de toi. Si tu es garçon, là, ils vont sortir demain, on t'attend. Toi, tu as insulté petit, c'est des gens par rapport à quoi? Qu'est-ce si que tu as dit? Si tu es garçon, là, ils vont sortir. Elle t'a dit quoi? Dis-moi un peu, là, Nazi, là, elle t'a dit quoi? Sa vidéo qu'elle a fait, là. Même Nazi, même, elle a été trop gentille. Hein? Elle a pris savon et puis elle a câliné cette femme-là. Je lui ai même dit, hein, le bas, là, faut me ramener ça. Il n'y a pas montré, mais il a écouté, puis il descend sur elle. Oui, oui. Nous, là, quand on sort, là, on ne sort pas parce qu'il faut sortir. Sortir, hein. Donc, on m'a dit, c'est toi qui sors là-bas de con. C'est toi qui réfléchis pas, puis tu sors n'importe comment. Mais quand nous, on sort, là, on sort parce qu'on sort. On ne sort pas parce qu'il faut sortir. Ça dépend de Gbagbo-Kolo. C'est quand Gbagbo-Kolo répond, là, nous, on vient reposter. Sinon, nous, là, on n'est pas des... On n'est pas bête, on n'est pas sauvage. Il a dit au Dogomadou. Dans ces jours-là, wow. Personne ne s'intéresse à vous. À toi surtout. Il ne faut pas vous voyez. Il ne faut pas vous voyez même. Dans ces jours-là, nous là, quand on est sur nos portables, à tous les cyberactivistes de Blé Goudé là, tu ne vois pas leur langage? Nous les cyberactivistes de Blé Goudé là, tu ne vois pas nos langages quand on vient parler là. Tu ne vois pas nos langages? Nous qui parlons de Simone Yves Gbagbo, nous qui parlons du ministre Charles Bleu Goutela, je parle de ces cyberactivistes-là, qui parlent de ces deux personnalités-là, ces deux que je parle. Quand nous on vient parler là, tu ne vois pas nos langages, tu nous as une fois vu insulter Soro Guillaume dans nos directs, c'est pas le moment maintenant. Soro Guillaume-là, personne ne va l'insulter maintenant. Soro Guillaume-là, il n'est pas ennemi de quelqu'un maintenant. Aujourd'hui là, c'est que nous voulons là. La paix. On veut la paix. Soro Guillaume n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Il va faire la politique avec son frère. Soro Guillaume là, lui, il a fait la rébellion. Donc, Soro Guillaume là, il a beaucoup de carnets d'adresses comme ça. On a besoin de lui. Il a beaucoup de carnets d'adresses, hein, Soro Guillaume. Parce qu'Alassane l'a envoyé dans tous les petits coins là. Donc, Soro Guillaume là, son carnet d'adresses là, est rempli. Donc nous là, on a besoin de lui pour que ce pays là soit libéré. Donc nous là, tu penses qu'on va venir s'asseoir là et puis on va le vilipender. C'est toi qui es bête. C'est toi qui sais pas. Tu connais même pas la politique. Mais parce que tu viens sur les réseaux sociaux, parce que tu veux parler, tu veux faire matu vue, tu veux qu'on te regarde. Dès que tu vois 800 vues devant ton écran, tu es excité. Tu parles sans réfléchir. Nous, moi-même, je suis vilaine. Toi, tu es vilain, c'est nous deux, on va faire politique, nous deux. Donc, Soro Guillaume là, s'il a envie de faire la politique là, hein? S'il a envie de faire la politique là, c'est avec Blé Goudé, c'est son bilan. Dans la vie là,
dans le pays mais où tu te trouves et puis tu es derrière dans ta voiture, on dirait ce pays-là t'appartient. Ils ont fait la guerre. Ici à Paris, là, en Europe, là, les Allemands, là, ils ont tué les Français, là, juste. Mais aujourd'hui, là, les Allemands et les Français, là, se fréquentent aujourd'hui. Dans un pays, là, quand il n'y a pas de guerre, là, le pays, là, n'est jamais stable. Donc, il y a eu la guerre. Nous autres, on a perdu nos parents. Mais nous qui avons perdu nos parents, là, on dit, on ne veut plus d'histoire. Blanc Goudé, même, il dit, il ne veut plus ça. Blanc Goudé dit, il veut commander la Côte d'Ivoire. Et puis, ça, là, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Blé Goudé là, ton patron connaît Blé Goudé. Blé Goudé aussi connaît ton patron. Voilà les deux personnalités là qui doivent se prendre sur la chaîne et sur la scène politique. Et puis nous on en bat ici là, nous les zozos là, on en bat ici et puis on les applaudit. C'est ça que nous on veut. Cette jeunesse-là, l'autre va dire que moi j'ai mon carnet d'adresse. L'autre va dire que j'ai mon carnet d'adresse. Ces personnes-là, ils vont enlever nos parents qui sont en train de pleurer là. Sous la pluie là. Maman Simone a dit une nouvelle Côte d'Ivoire. Toi, tu n'as la pas. La nouvelle Côte d'Ivoire. Tellement tu es bête, tu es mouton. Ma grande soeur, il faut pousser un peu, ils vont te voir. Maman, t'es maigre. Tu vois? Maman Simone dit une nouvelle Côte d'Ivoire. La nouvelle Côte d'Ivoire qui va renaître là. On a besoin de cette jeunesse là. Mm-hmm. Mais la petite que tu as allé insulter dans ta vidéo là. Mm-hmm. C'est son langage. Hein. Jusqu'à un jour même, elle a demandé pardon à Blé Goudé. Mm-hmm. Blé Goudé, elle a demandé pardon à Soro Guillaume. Mm-hmm. Soro Guillaume, prend soin de toi, on a besoin de vous. Une fille qui parle comme ça, ou bien tu ne regardes pas. Ah, comme toi, tu ne regardes pas les vidéos, tu es encore dans le culot des femmes. Mm-hmm. Tu veux voir toutes les couleurs. Tu veux voir quel caleçon l'autre femme porte. Mm-hmm. C'est pour ça que quand les gens font les vidéos là, tu ne regardes pas. Donc va dire à Aïcha Kone ce soir là que ce qu'un nazi n'a pas dit là. C'est ça, nous on est venus crier haut et fort. Mm-hmm. Dis à Aïcha Kone que c'est une passoire. Elle est un carrefour. Elle est terminus. Mm-hmm. Les hommes d'Abidjan, ils ont fait terre. Ça veut dire qu'ils tournent jusqu'à ce qu'il y ait leur garage. C'est là qu'ils viennent garer leur voiture. Voilà pourquoi là. Elles supportent Nadia Libamba. Mm-hmm. Du moment que tu supportes une femme qui a gâté la carrière politique du président Laurent Gbagbo. Et notre président est devenu on dirait que ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a l'eau dans la bouche, qui souffle le feu, puis le feu là s'allume là. Cette fille-là a cassé tous les ganus du président Laurent Gbagbo. Celle-là, nous, on n'a qu'à venir câliner. Et que celle-là, Aïcha Kone a produit. Aïcha Kone, tu ne sais pas que le président Laurent Gbagbo, là, c'est lui. Aïcha Kone, il ne faut pas nous faire parler. Hein. Aïcha Kone, si tu acclames Nadia Libamba, là, tu sais pourquoi tu l'acclames. Hein? Parce que tu sais que maintenant, là, pour toi, là, c'est fini. Tu ne vas plus avoir droit. Parce que ta soeur Gula est venue prendre sa canne et puis elle assise dessus. Donc tu es obligé de te coller à elle, quoi. Sinon, on vous connaît. Hein? C'est vous qui traînez les casseroles du président Laurent Gbagbo. Vous tous là, tous vos boys là, vous avez traîné les casseroles du président Laurent Gbagbo. Vous êtes ingénieux devant lui. C'est de ça que nous on parle. Tu es une passoire. Tu es comme ta patronne. C'est que tu chantes là. La passoire, terminus de Côte d'Ivoire. C'est qui est effronté la même là. C'est qui est né avant la honte là. Cette veuve noire là. C'est que le président vit encore là. Et puis elle fait veuvage du président là. C'est d'elle que je parle. Celle que toi tu supportes non. Tu es comme elle. Aïcha Kone. Tokomadou, va dire ça à Aïcha Kone. Elle est qui et puis on ne lui parle pas. Elle a le culot quoi. D'approdit les gens qui vilipendent le ministre Charles Blé Goudé. Aïcha Kone, tu penses que tu as ce droit-là, tu as le monopole de la parole? Tu penses que c'est toi ce qui connais un jus? C'est toi ce qui fait applaudir les gens qui vilipendent les gens? Ou nous, on est les doyens pour ça? Aïcha Kone, tu vas aller. Et Assi Bikola, il a dit, voilà. Le président Laurent Gbagbo, il a une seule femme. Que nous, là, Si on ne veut pas la femme du président Laurent Gbagbo, nous tous là, nos mamans, il a insulté. J'ai dit que moi, j'ai des personnalités qui regardent mon direct, donc je ne vais jamais être grossière sur mon direct. Donc, les propos là, je ne vais pas... Ah, il faut montrer de Gbagbo, donc il va faire vidéo demain.
Il va nous, il va prendre notre défunt. J'ai mis ça même. Donc, Amadou. Voilà. Non. Vous voyez, non? J'espère que vous... Attends, je vais diminuer le truc là d'abord. Voilà. Vous avez vu... Vous a... Je ne sais pas comment je peux grossir ça. Hein. Non. Ça va aller en haut là-bas. Mmh. Bon, je serai obligée de laisser ça comme ça et puis je vais vous montrer. Hein. Mmh. Donc, Amadou. Voilà. Famille. Voilà. Vous voyez, non? Si vous voyez là. Steve Biko dit, nous tous là, nous qui parlons de Nadiali Bambala, nos mamans, si on n'est pas d'accord là, le président Laurent Gbagbo a une seule femme. Dogomadou, le président Laurent Gbagbo a une seule femme. Vous qui n'êtes pas d'accord là, vos mamans. Et puis, quand il a mis le poste là, il a envoyé à Aïcha Koné. Et puis elle a produit. C'est parce que nous, on est très polis. Nous qui parlons de Simone Yves Gbagbo là, je dis, nous, on est très polis. Parce que avant, samedi, nous, on a fait un direct où on dit que Nadiali Bamba va monter, descendre. Elle ne va jamais rentrer dans nos cœurs. Pour ça, là, Steve Biko a écrit un post pour insulter nos mamans dedans. Donc, on m'a dit, tu vas faire une sortie pour nous défendre aussi, j'espère. Ah oui, il va sortir. Parce que notre maman était vilipendée dedans. Hein. Il va sortir. Parce que c'est nous qui avons fait la sortie. Mm-hmm. Notre maman était vilipendée dedans. Donc, Amadou, j'espère que tu feras une sortie. Hein. Parce que nous aussi, là, on est de la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Nous aussi, nous sommes des Ivoiriennes aussi. Donc, tu feras une sortie aussi pour nous défendre. Non, non. Ne faites pas ça. Hein. Ne faites pas ça. Je n'ai pas envie de vous voir. Ne fais pas ça. Ce que tu es en train de faire là, ne fais pas ça. Parce qu'un jour, toi, dans ta vidéo là, tu as tenu des propos dedans que nous, un bété là, va plus gouverner ce pays là. Toi, donc, Amadou, tu as dit ça. Que nous là, on est haineux, que le jour, quelqu'un d'autre prend ce pays là, nous, on va se venger. Pourquoi? Toi, tu te reproches quoi? Toi, tu as tué les Ivoiriens? Tu as vraiment tué les Ivoiriens et puis tu as peur? Que les gens se vengent. Voilà pourquoi je t'ai dit tout à l'heure que dans le pays là où tu vis là, et puis tu roules dans la voiture là, ils ont fait la guerre. Et puis ils sont réconciliés. Ils sont réconciliés là. Ceux qui ont fait la guerre là, ils sont mis ensemble et puis ils ont développé leur pays aujourd'hui. Puis tu travailles dedans là. Donc dans un pays là, quand il y a guerre là, ils s'asseyent et puis ils trouvent un terrain. Le président Laurent Gbagbo, il a dit à Alassane Dramane Ouattara et son frère, c'est parce qu'il ne veut plus de guerre. Il ne veut plus ce genre de comportement-là. Le président Laurent Gbagbo a dit non. Et c'est la même chose que le ministre Charles Blé Goudé. C'est la même politique que le ministre. L'homme qui a fait prison mais qui n'est pas haineux. Rien que. À quoi me dire. Lui-même là, c'est quelqu'un même que vous devez chérir. Voilà. Le ministre Charles Blé Goudé là, il doit être votre diamant. Voilà. Voilà pourquoi je vous interpelle à chaque fois. Que ce n'est pas lui votre cible. L'homme qui a fait prison inutilement là. L'homme qui n'a rien fait. Qui a été innocenté là. Il est sorti dans cette prison là. Mais il n'est pas un nœud. Son discours là. Il dit qu'il veut devenir le président des Ivoiriens. Mais il n'a pas dit président des bétés. Il n'a pas dit qu'il va aller devenir chef de village de Guipérois. Non, c'est pas ce qu'il demande. Le ministre Charles Blé Goudé a fait son déplacement. Il est venu à Paris ici, c'était pour vous croiser. Pour vous dire que vous êtes ses frères, il n'a rien contre vous. Si le ministre Charles Blé Goudé était un là, il n'allait pas recevoir ce rodium. Donc, Amadou, mais ce n'est pas un enfant qui est haineux. C'est un enfant qui a galéré durant son enfance. Donc, il a un cœur de partage. Il a un cœur de pardon. Le ministre Charles Blé Goudé, il pardonne. Si ce n'est pas un homme
et puis on t'en pardonne ici. Mais il n'a jamais ouvert sa bouche pour parler du mal de son président. Non. Il respecte Laurent Gbagbo parce qu'il a un cœur de partage. Mm-hmm. Il a un cœur de pardon. Uh-huh. Il pardonne beaucoup de Ramadou. Donc, au courrier. Tu veux pousser le ministre à bout, mais il ne sortira pas. Parce que la prison qu'il a fait aujourd'hui, là, l'a formé. La prison que le ministre Charles Blegouda a fait, lui a appris à pardonner. Dieu dit que pardonne ceux qui t'ont fait mal. Mm-hmm. Donc il vous a pardonné. Il n'a plus de haine contre vous. Mm-hmm. Donc arrête de l'agresser, s'il te plaît. C'est Ouattara qui dit ne le reconnaît pas. Le monde entier le reconnaît en tant qu'un ministre. Il a été ministre de la Côte d'Ivoire. Qu'on l'intervive là. On dit le ministre. Ouais. On dit pas Dogomba Abdou. Lâche-le les baskets un peu, s'il te plaît. C'est la dernière fois aujourd'hui. Ouattara, c'est lui qui est ton cible. La dernière fois. C'est Ouattara qui est ton cible. Notre cible à tous, c'était Ouattara. Et le président Laurent Gbagbo nous a dit, ce n'est pas Ouattara qui l'a amené à la haie, c'est les Français. Donc vous là, celui qui a amené votre président à la haie, c'est Ouattara qui est votre cible. Nous aujourd'hui là, celui qui a oublié notre président ici, c'est le président Laurent Gbagbo, mm-hmm. avec Nadiali Bamba. Donc, comme Nadiali Bamba fait partie du président Laurent Gbagbo, voilà pourquoi lui, on l'accuse. Mm-hmm. Parce que celle qui met, qui brûle le torchon aujourd'hui, c'est Nadiali Bamba. Donc, Dogomadou, ta cible n'est pas le ministre Charles Blegoudi. Mm-hmm. Donc, vas-y, dis un mot. Mm. Donc, voilà si Biko, Dogomadou. Voilà si Biko, il dit... Nous là, nous tous qui parlent de que notre président Laurent Gbagbo a une deuxième femme là, notre maman. Donc Amadou, demain il faut sortir. Viens nous défendre. Viens, tu vas nous défendre. On dit notre maman, tout le monde. Voilà, ça est là. Il a fait un poste. Donc on pourrait y. Quand tu envoies, tu viens, où nous on est en train de parler là, tu es en train de chercher, hein? Tu es chez toi, hein? Tu nous regardes, où nous on est en train de crier là, tu es en train de rigoler, qu'il a mis bombe, ils sont en train de crier, je vais chercher encore. Mais moi là, ce que je vais te dire là, regarde-moi bien, j'ai dit, c'est la dernière fois, je t'ai interdit de parler mal de Blegoudé. À partir d'aujourd'hui, là. Aujourd'hui est le combien? Lundi aujourd'hui. J'étais interdit. Lundi 15. Lundi 15, là. Moi, je suis en train de te parler. 15 novembre. 15 novembre, j'étais interdit. Quand tu fais tes directs, là, quoi? Pour pas toucher Blegoudé même. Pour pas toucher, pour pas lui parler mal même. Et puis, à faire là même son passeport, là, il faut laisser. Parce que tu es hypocrite. Affaire dans son passeport là, il faut laisser. Les bonnes personnes qui sont dans le GPS là, ils vont parler de ça. Mais toi seul là, tu es hypocrite. Tu es dedans, tu n'aimes pas ton président. Tu es là pour vendre ton président et puis ils vont acheter. Ton président, Soro Guillaume a beaucoup parlé. Hein? Il a beaucoup parlé. Soro Guillaume qui est là. Il a beaucoup parlé, hein? Ça est sur les réseaux sociaux, hein. Mais Blegoudé dit... Dogomadou, Soro Guillaume a beaucoup parlé, de... ça est tout ça là, ça est sur les réseaux sociaux. Mais c'est tout ça là, nous on laisse. Parce que notre président dit, il va gouverner le pays là. Et puis c'est nous là, c'est nous là. C'est tout l'Afrique là. Et puis les gens de Côte d'Ivoire là, c'est nous là qui vont parler bien de ton... Soro Guillaume, notre frère Soro Guillaume, c'est nous là qui va parler bien de lui. Et puis il va prendre le contrôle de notre pays là. Soro Guillaume est trop sali. Donc nous là, on est en train de tout faire pour laver Soro Guillaume. Pour pas prendre, nous on prend parfum. Nous on prend les grands parfums là. Et puis on est en train de parfumer Soro Guillaume. Toi tu viens, tu prends caca. Et puis tu mets sur Soro Guillaume. Il t'a fait quoi même? Il t'a fait quoi?
tu l'aimes pas, faut quitter dans son parti politique. Parce que tu es hypocrite, tu n'es pas bien. Parce que toi, t'as ton GPS, là, on te voit pas. Ils n'ont pas encore vu ton cinéma là, où tu es dedans. Là. Ils n'ont pas encore vu ça bien. C'est pour ça qu'ils sont en train de, ils te regardent là. Mais toi, tu n'aimes pas ce regard. C'est nous comme ça là, nous qui, on ne sait pas où on est quitté là, c'est nous là qui aimons ce Guillaume. Parce que nous on fait tout pour laver ce Guillaume, parce que ce Guillaume, c'est pas qu'il se lave pas, hein. Pardonne-moi pour le mot, c'est pas de ça que je parle, mais dans ce qui s'est passé là, ce Guillaume, on va acheter les kabakourou là, et puis on va laver, nous on est en train de laver ce Guillaume. Mais tu as voir l'eau de caca et puis tu mets ça sur lui. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Donc, Dogon Kouleyi, il faut arrêter maintenant. À partir d'aujourd'hui, là, quoi? Pour ne pas parler de Brégoudé. Parce que Brégoudé qui est là, il est propre jusqu'à... Tu vois ça là? Tu vois ça là? Brégoudé est blanc. Il n'est pas de casserole. Il est blanc. Mais je vais te dire, mon dernier mot. Donc, Amadou, comme tu ne sais pas là, sinon, Soro Guillaume là, il dit qu'il va devenir président. Et si tu sais, quand tu parles oulou, comme ça, est-ce que tu réfléchis? Ceux, j'ai cité les noms tout à l'heure là, c'est eux là qui savent que les éditeurs là, ils disent qu'ils vont prendre le contrôle de notre pays. C'est eux là qui sait, toi tu sais pas. C'est pour ça que tu prends caca toujours. Et puis tu es en train de laver ce regard seulement. Le monsieur, il est en train de tout faire pour enlever caca là sur lui. Mais toi, tu fais tout. Donc, moi, je te dis aujourd'hui, ce regard me dit qu'il va devenir président de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça, les sureaux de Paris, les Abbé à Coucougnon, les ma gazelle qui est dans la voiture, là, comment elle s'appelle? C'est pour ça qu'ils sont en train de parler, ils sont en train de laver le nom de Soro Guillaume, là. Soro Guillaume a beaucoup parlé. Il a trop parlé. Il ne savait pas ce qui était derrière le rideau. Donc, il croyait... Alassane Dramane Ouattara, ce Guillaume a trop caqué. Quand tu regardes ces vidéos là même là, toi même tu sais même pas comment tu vas faire, pour demander, pour accepter pardon là. Mais nous on est en train de, on se blâme de ça. Et puis on dit ce Guillaume c'est notre frère. Tu veux quoi? Lui qui est blanc là, tu peux parler. Sinon, notre ministre Charles Brégoudé, là, quand il va aller au pays, là, quand il va dire pain, là, il passe haut la main. Il passe. Parce qu'il n'est pas de casserole. Il passe haut la main. C'est bon, mais non. On va attaquer d'autres sujets. Donc, il faut arrêter. Arrête aujourd'hui. Sors, n'en sera. Fouma. Je m'arrête là. Bon, famille, mon dernier sujet, si de commande même, je ne voulais pas trop durer, mais il m'a tellement... Il fait ça. C'est passé. Il exagère. Et puis, il vient à chaque fois exposer lui-même son propre président. Il n'a aucun respect pour Soro Guillaume. C'est ça qui me fait mal. Voilà, le pauvre. Lui, il se bat pour que les Ivoiriens puissent l'aimer. Ses camarades se battent. Ses camarades se battent. Sur le de Paris, il a parlé du passeport du ministre Charles Blégoudé. Sur le de Paris, il s'est déplacé, il est parti. Hein? Le 23, là, il était là-bas. Lui, il parle du bien. Hein? Et puis toi, quand tu veux descendre, et tu descends. Mais sur le de Paris, il aime les gens. Hein? Maman Douska, elle aime les gens. Bien coucou, il y a qu'un voit tout. Bien coucou, il y a quitté. On est là-bas, jusqu'à puis il est venu à la marche. Pourquoi tu fais ça? À cause de eux, là, on est tranquille. Hein? Faut pas faire ça. Faut pas vendre ce Guillaume. Pardon. Faut pas le vendre. Lui-même, là, c'est ce que la grande soeur vient de dire. Donc, on fait tout possible pour le laver. Faut pas venir. Faut arrêter. Franchement, ça me fait mal que tu insultes la petite, là, et puis tu au d'insulter Nazi seulement, mais tu la laisses là. C'est Blégoudé. Blégoudé, t'as fait quoi? C'est pas ton camarade. Si lui, il était à Bigel, toi, là, tu allais être son chauffeur.
Donc moi là, je ne veux pas insulter ton leader, c'est ce que je te dis. De la manière toi tu réfléchis, moi je réfléchis pas comme ça. Quand j'appelle quelqu'un pour dire viens à manger là, je le chasse pas. Mm-hmm. Donc moi là, de la manière toi tu ta tête est renversée là, la mienne là elle n'est pas renversée. Mais j'ai dit cette chose, Aïcha connaît là, je t'ai donné sa réponse, va lui dire. Elle n'a qu'à venir, elle n'a qu'à faire direct et puis elle va nous répondre. Voilà. Donc famille, mon deuxième sujet, il a donné rendez-vous à deux personnes. Michel Gbagbo, c'est sur toi, mon direct va se terminer. On dit que toi, tu dis quoi? C'est à cause de toi que j'ai mis mes lunettes là. Michel Gbagbo, on dit que toi là, tu dis quoi? Pourtant, j'étais chargé, hein, portable. Tu as gâté mon direct. Eh, hey, Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? Portable va gâter mon direct. Portable va être gâté mon direct maintenant. Le mois là, à la fin du mois du décembre, là, ça se savoir parce que je vais acheter ma tablette. Puis voilà. Parce que je n'ai pas eu quelqu'un pour m'acheter une tablette. Donc moi-même, je vais acheter ma tablette et puis je vais voir la personne qui va. Si. Oh, non, pour l'instant, comme je n'ai pas encore acheté la tablette, ça fait maintenant un an. Donc, Michel Gbagbo, c'est sur toi. J'ai terminé mon direct. Michel Gbagbo, nous là, on est devenus aigris. Michel Gbagbo, nous là, on est devenus aigris jusqu'à. Pour nous là, ça n'a même pas de limite même. Ça veut dire que où on est dans nos coins là, quand tu viens nous chercher là, quand on sort là, c'est pas bon. On dit que toi là, tu as été invité là. On dit que toi, tu dis quoi? Ça veut dire que où on t'a invité dans la télévision là, Michel Gbagbo. Famille, vous allez voir. Hein. Je me suis habillée comme la femme. Du papa de Michel Gbagbo. La veuve noire. C'est pour ça que je me suis habillée comme ça. Pour que Michel là, puisse me remarquer. Michel, tu as vu non, comment je suis habillée non? Parce que ici là, le style d'ici là, la sape de Paris là, en Europe là, c'est le noir. Ta maman là, c'est une blanche. Donc tu sais que c'est le noir. Les blancs adorent le noir. Mais ta mère là, hein, ta maman là, la femme de ton père là, elle exagère. La femme là, cette cuisine professionnelle là, elle exagère dans le noir. Ici là, quand on porte le noir là, c'est pas style. Mm-hmm. Mais elle porte le noir sans style, sans élégance. Parce que de la manière, elle est fade, vide là. C'est comme ça qu'elle porte le noir là, puis c'est vide sur elle. Elle n'a pas de goût. Elle est vide. Elle n'a aucun style. Michel Gbagbo, toi tu as ouvert ta boeuvre là. Et puis tu as appelé Simone Gbagbo tata. Je t'ai dit que tu es un petit ingrat. Tu es très ingrat. Tu es très malhonnête. Groupe d'ingrats. Michel Gbagbo, est-ce que tu sais que les petits ingrats comme ça là, tu sais où ces personnes terminent? Les petits ingrats la terminent dans un carrefour. Toi, tu vas terminer dans un carrefour un jour. Parce que tu as été très ingrat envers Maman Simone et Yves Gbagbo. Tu as été très, 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 très ingrat, très malhonnête. Tu n'as pas été reconnaissant. Ton nom que nous, on va t'attribuer maintenant là, c'est Anya Anima. Anya Anima. Ça veut dire que Simone et Yves Gbagbo, ce qu'elle t'a donné là, elle a gâté. Tu es très ingrat. Tu es ingrat, en même temps, tu es impoli. 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 De la manière, Simone et Yves Gbagbo t'avait pas élevé là. Cette impolitesse que tu as appris de Nadia Libomba là. C'est ça que tu es venu me montrer sur les plateaux de télé là. Tu es très ingrat. Anya Anima. Simone et Yves Gbagbo a gâté sa nourriture pour rien. Anya Anima. Simone et Yves Gbagbo t'a élevé pour rien. Elle a gâté. Ça veut dire que sa salive a été salir pour rien. Un ingrat.
quelqu'un qui est ingrat, qui n'est pas reconnaissant. Toi, tu parles de qui là? Tu parles de Simone et Yves Gbagbo. Cette femme là qui t'a donné la vie, ta maman là, quand tu es venue au monde là, hein? Elle t'a parachuté en Côte d'Ivoire là-bas comme ça. Bra! Attendez, hein. Parce que comme il y a la lumière ici, là, qui a poussé ici, un peu, là, ici. Voilà. Ta maman blanche, là, quand elle t'a mise au monde, là, dès que ton père est rentré, là, elle t'a parachuté en Côte d'Ivoire, là-bas. Si ce n'était pas à cause de Simone et Yves Gbagbo, là, toi, tu ne devais pas être où tu es aujourd'hui, là. Où tu es aujourd'hui, les puis vous avez, vous êtes que des bandes de grugeurs seulement, vous avez faufilé des trucs, et puis toi, tu n'allais même pas être député de Dieu. Pourquoi puis tu es devenu député? Parce que Alassane Dramane Ouattara t'a protégé des marmailleurs comme ça, des vendeurs. Vous avez vendu vous-même vos propres dents. Pour wow. ça aujourd'hui, là, vous, vos femmes, là, elles sont obligées de faire la bouillie pour que vous puissiez manger. Petit ingrat. C'est nous, on dit ça. Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Papa, il veut inciter Nadeli. Papa, papa, il veut inciter Tata. C'est Simone et Yves Gbagbo qui est devenue ta Tata. C'est elle qui est ta Tata aujourd'hui. Petit ingrat. Petit malhonnête. Petit qui n'est pas reconnaissant. Sinon que nous, là, on a porté tes t-shirts ici. On a crié haut et fort pour que toi, là, tu sois libéré. Mais quand tu es sorti de cette prison... Tu nous as remercié avec ton anus. Tu nous as montré ton anus pour dire, voilà, merci même n'est même pas sorti de ta bouche. C'est toi qui traites Simone et Yves Gbagbo de tata. C'est toi qui dis l'ex-femme. C'est toi qui l'appelle ex-femme. Mais j'ai dit, si cette femme-là ne t'a pas nourri, là, Simone et Yves Gbagbo, là, qui s'est battue pour toi, Simone et Yves Gbagbo qui t'a mise à l'école. Simone et Yves Gbagbo qui t'a donné l'intelligence que tu as aujourd'hui. Et puis tu enseignes à l'université de la Côte d'Ivoire là. Celle-même là qui a tapé sa poitrine, qui était fière de t'avoir comme un fils là. Si tu ne l'as pas reconnu là, il a dit, tu seras un carrefour. Tu seras un carrefour. Tout ce que Simone et Yves Gbagbo a traversé là, tu vas traverser le plus pire de ça. Parce que tu es très ingrat. C'est que Simone et Yves Gbagbo en train de traverser durant toutes ces années-là. Tu vas traverser le plus pire de ça. Toi et ta Nadia Lida. C'est nous, on te parle. Si Simone et Yves Gbagbo ne t'a pas élevé, si elle n'a pas, si elle t'a pas éduqué, si tu n'as pas bu l'eau de Simone et Yves Gbagbo, en partant à l'école, là, si Simone et Yves Gbagbo ne t'a jamais donné de l'argent, si tu n'as jamais bouffé 5 francs de cette femme-là, j'ai dit, ce qui est sorti de ta bouche, et puis tu ne vas pas avaler ça. Si cette femme-là ne t'a pas pris comme son propre fils, l'éducation que ta mère ne t'a pas donnée, là, si ce n'est pas Simone et Yves Gbagbo, c'est que tu, si tu étais ici, l'éducation que tu allais rater là. Si ce n'est pas Simone et Yves Gbagbo qui t'a donné cette éducation là, et que toi là, tu es devenu un cadre de la Côte d'Ivoire. Et ce cadre là même là, tu es passé par ça aujourd'hui. Toi, tu es venu nous dire que tu ne faisais pas politique. Dans quel coup tu es devenu député? Petits ingrats. Ex-femme. Toi, tu es culotté, tu es gonflé quoi. Tu es trop gonflé. Tu es gonflé, hein? Michel Gbagbo, tu es gonflé. Tu es culotté même. Tu as appelé Simone là, ex-femme. Toi, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu mesures où? Où ton père est pris en otage là? Toi, tu te bats pas pour enlever ton papa là-bas. Ton papa qui lance un message aux Ivoiriens. C'est un message qu'il a laissé. Il lance aux Ivoiriens. Il dit, Nadia, il le prend pour un gaou. Et toi, tu ne peux pas te battre.
Même si tu ne veux même pas que ton père vit avec Simone et Yves Gbagbo, mais si ça aurait été moi là, moi j'ai tapé dur pour que mon père quitte où il est là. Tu sais que ton père est pris en otage. Vous êtes tous pris en otage. Vous, si vous ne parlez pas de Nadia Di Pampa là, elle va vous écraser. Elle vous piétine aujourd'hui. Honte à toi. Honte à vous. Honte. Michel Gbagbo, honte à toi. Petit ingrat, honte à toi. Petit malhonnête, honte à toi. J'ai honte à ta place. Tu connais pas ta place. Tu connais pas ta place. Tu es hypocrite. Tu sais même pas où tu es assis même. Tu sais même pas où tu es arrêté. Tu dadines. Tu sais pas où tu es arrêté. Actuellement là, tu as perdu ton chemin. Tu sais même pas quel chemin il faut emprunter. Tu es perdu dans la nature. Si tu es encore dans ton cauchemar, j'aimerais te dire ce soir, réveille-toi. Ton père là, il est dans pain. Cette fille qui est aux côtés de ton père là, elle travaille avec la mafia. Elle n'est pas là pour le bien-être de ton père. Elle est là pour briser la carrière politique. J'ai dit, si tu es garçon là, si tu sais que toi là, tu es garçon là, hein? 2025 là, va te présenter à Yopougon. Envoie qui va te voter. Et à moi, un petit est gras comme ça, là, avec ses femmes. Toi, tu es culotté, tu es gonflé ou quoi? J'ai dit, oh, Michel Gbagbo, j'ai dit, c'est toi qui es en train de faire aujourd'hui. Et puis, nous, là, je trappe du bois. Grand homme qui est là, qui s'appelle Laurent Gbagbo. Oh, viens t'asseoir, ma grande soeur. Qui s'appelle Laurent Gbagbo, là. Mais Dieu, nous on prie pour lui. Dieu n'a qu'à la bénir. Dieu n'a qu'à l'enlever. Hein? Dieu n'a qu'à le bénir. Dieu il n'a qu'à l'enlever où il est là. D'accord? Sinon, c'est toi, Michel Gbagbo. Les gens comme ça, comme notre icône, président Laurent Gbagbo, là. Le type comme ça, là. Il a le droit de rester avec maman. Parce que Ange qui est là, quand ton ange là est augmenté là, tu restes avec ta femme. Simone Gbagbo là, papa est bien placé avec lui. Pourquoi on dit, ah, le monsieur là, aïe, il a vu quelle maladie, oh. Parce que quand tu es âgé au gomaté là, et puis tu fais cropa là, tu ne dures pas. Notre président Laurent Gbagbo n'a qu'à prier. Parce que quand moi je regarde là, Nadia dit, tu enlèves quoi là où tu es là, tu es en train d'enlever quoi? C'est quel goût tu es en train d'enlever? Où notre président Laurent Gbagbo va être, et puis il va être avec sa vieille main, et puis le vieux go, vieille main avec vieux go, c'est là, ils sont là. Maman Simone avec son mari là, ça c'est même chose. Ma femme Simone, j'ai mal, tout mon corps là, ça me fait mal, et puis Simone va envoyer un bec de qualité, il va masser son mari. C'est là, ils sont là. Qu'est-ce que Nadia dit, papa est venu chercher là? Le monsieur a souffert à cause de nous jusqu'à... Oui, il va être là. Et puis on va envoyer beurre de qualité. Et puis ses enfants vont envoyer les comprimés là. Ils vont envoyer les médicaments. Et puis ils vont donner à papa là. C'est là maintenant Nadia dit, vient là. Il trouve quoi ta papa? Moi, je ne peux pas arriver là. Elle veut l'assassiner. Elle veut le tuer. Comment il s'appelle la même député? Michel Gbagbo. Michel Gbagbo, tu vois pas ça? C'est que je suis en train de dire là. C'est trop, c'est gros, c'est beaucoup. Nadia là, il fait quoi là? Derrière rideau là, il y a quoi? Demain on va voir, on dit voilà maladie des garçons qui est venue. On va pleurer jusqu'à fatiguer. Notre papa, oui, il va être, et puis il va être serré avec sa vieille main, le vieux. C'est là, voilà. Voilà le moment. Mais on va attendre demain que...
on dit vite fait, rapatrie-moi à Paris. Laurent Gbagbo, ça va pas. Il a eu maladie des garçons. C'est ce que Nadiri est en train de chercher. Parce que derrière Idora, je ne vois pas. Parce que notre président Laurent Gbagbo est fatigué. Il est fatigué. Il est fatigué. Ça là, on ne peut pas dire, moi je vais dire ça. Parce que j'aime Laurent Gbagbo. J'ai chanté pour lui. Pendant des années, j'ai chanté pour Laurent Gbagbo. J'aime Laurent Gbagbo. Mais Nadiri est en train de tuer notre papa en petit feu. Derrière la papa, il va faire quoi là? Où on est là? Où nous deux, on est en train de se regarder là? Il va faire quoi là? Il y a quoi là? C'était son pas. Toi, comment il s'appelle là même? Michel Gbagbo. Toi, tu penses pas à ça. Donc ton papa, il est marié comme ça. Ça, c'est mariage. Ça, là, c'est l'amour, hein. C'est pas mariage, hein. C'est l'amour qui est là. Moi-même, direct. C'est ça qui est là. Demain, là, gardez vidéo là. Mais vous allez dire, les filles de Saïwa qui connaissent rien, qui connaissent pas politique, qui sont dedans. Là. Elle avait dit ça. Papa, je te demande pardon. Il faut aller derrière ta femme. Viens derrière maman, Simone. Viens rester avec maman. Où tu es là, elle va te soigner. Toi-même, tes enfants, là, ils sont dans médicaments. Ta fille qui est aux États-Unis, là. Ils vont te envoyer médicaments, ils vont te masser. La force tranquille. Donc, papa, il faut quitter derrière Nadiri. Fais ce qui est là. C'est trop pour toi. C'est pas bon. Moi, je vais dire ça. Si c'est ça là, qui va me mettre en prison, là. Ils n'ont qu'à me mettre en prison. Mais parce que moi, je l'aime, mon papa. Parce que quand ton âge reste, quand ça augmente, il y a maladie de vieux dedans. Donc, Michel Gbagbo, il faut penser à ça. Que mon papa, il est fatigué. Nous, on a besoin de Laurent Gbagbo. On ne veut pas cadavre. Parce que Nadiri, papa, voilà, fessé, voilà, c'est. Voilà, il va faire quoi avec? Qu'est-ce qu'il prend là? Quel goût il est en train de prendre? Hein? On dit, on prend, on prend quoi la même? On prend cadavre. Et puis on prend quelqu'un qui est vivant. Et puis on met ça ensemble. Ça ne va pas ensemble. Donc notre papa là, on a besoin de lui. Parce que moi j'ai chanté pour Laurent Gbagbo. Pendant des années. Donc, papa Laurent Gbagbo, quand tu regardes mon vidéo là, il faut aller derrière ta femme. Les deux vieilles marmites là, c'est ça qui va ensemble. Pour pas acheter jolie marmite, et puis tu vas prendre une vieille marmite là, et puis tu vas jeter vieille marmite là. Mais demain là, tu vas rappeler des vieilles marmites là. Donc, vieille marmite, et puis niveau marmite, là, ça va pas ensemble. Donc, député, il faut penser à ça. Que papa va derrière ton vieille marmite. Toi-même, tu es vieux. Maman est vieille. Allez-y ensemble. Vous allez me faire décarter. Tu vous, mon pire aujourd'hui, là, Simone, je n'ai pas dormi même, tout mon pire, ça me dit, maman va dire, viens, je vais masser, c'est de ça, on parle, mais fais cela, on va pleurer, hein. Je suis en train de vous dire, je rigole pas, hein, mais on va pleurer, hein. Donc, toi, Michel, tu parles pas de ça, tu vas pleurer demain. Si c'est héritage, tu veux prendre la tille, tu es ton maudit. Parce que le président Laurent Gbagbo, il ne va rien lui arriver. Il ne va rien lui arriver parce que nous, là, on fléchit genoux pour prier pour lui. Petit ingrat, c'est toi qui viens sur les chaînes télé avec ses femmes. Toi, Michel Gbagbo, mais c'est pas toi, c'est pas toi. C'est même pas toi-même. Tu as cœur des Français là. Toi-même là,
Tu es là comme ça. Et puis, on fait jugement pour ton papa. On dit que ton papa, là, voilà ce qu'on va faire. Puis, tu as accepté, tu as signé. Voilà pourquoi tu cautionnes ce qui est en train de se passer, là. Comme c'est l'ex-femme de... Mais tu es gonflé, toi. Tu es gonflé 10 000 fois même. Tu manques d'air même. Toi, tu es trop gonflé même. Tata Simone. Attention à toi, hein. Faut pas nous faire sortir de nos côtiers, hein. Où on est blé, 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 comme ça, là. Nous, là. Tu peux aller visionner tous nos directs. Nous, on n'a jamais... Ça veut dire qu'on n'a jamais levé la voix vers toi. Parce qu'on respecte beaucoup le président Laurent Gbagbo. C'est toi qui veux nous faire sortir. Mais quand nous, on sort là, c'est pas bon. Parce que nous, là, tu es parti au funérail de mon grand frère. Au funérail, l'enfant de ma mère, là, qui est décédé, là, à Ipoukon, c'était nous. C'est toi, toi, tu te fous de Simone et Yves Gbagbo. Et tu penses que moi, il est venu sur mes réseaux sociaux et puis il était câliné. Toi, tu te prends pour qui? Tu es en train d'envoyer le vieux là, à abattoir là. Tu le pousses dans les mains de Nadia Ali Bamba là. Tu es en train de pousser ton papa à la mort. Tu vois pas ton papa? Tu n'as pas pitié. Le président Laurent Gbagbo qui marche et puis il est, le président Laurent Gbagbo est perdu. Il est perdu. Il marche même, sa tête est vide. Ils nous lancent des messages, mais c'est méchant, ces messages là. Nous, on n'est pas en train de regarder dedans. Il dit, Nadia Ali dit que c'est un gaou. Les Ivoiriens, je souffre. Nadia Ali, elle dit, elle est le patak, 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 patak. Moi, le président Laurent Gbagbo, je suis gaou. Oh. Voilà moi, oh, je suis gaou. Sinon, l'homme qui a très, très mal là. Nos propos qu'on est venu dire que le président Laurent Gbagbo n'a plus besoin de... vous les vieux, là, on ne veut plus de vous. On veut la nouvelle génération. Oui, génération. On veut une nouvelle Côte d'Ivoire. Il a, dans le jour de son congrès, là, il a parlé de ça. Il dit, lui, n'est pas vieux. Il a cité ceux qui sont plus vieux que lui. Il a cité le président des États-Unis, là. Lui qui est vieux, là, qui est encore au pouvoir. Il a cité ça. Oh non, on peut pas s'occuper. Mais lui, là... Le président Laurent Gbagbo, celui-là, lui vit avec sa femme. Lui n'a pas laissé sa femme pour aller chercher une kiza. Une kiza, tu sais dans quoi elle travaille depuis la Bruxelles. Tu as découvert Nadia Ali Bamba. Quand le jour tu as ouvert tes yeux, là, Nadia Ali Bamba s'est assise sur toi comme ça. Le président, tu sais dans quoi tu es. C'est pour ça que tu as envoyé le message aux Ivoiriens. C'est un cri. Tu cries, mais on ne t'a pas compris. On prend ça aujourd'hui pour se moquer de toi. Tu dis, Nadia Ali dit, elle est belle. Moi, le président Laurent Gbagbo, c'est moi qui suis devenu son gaou. C'est moi sur ma vie aujourd'hui, Nadia Ali est venue s'asseoir. C'est ma vie aujourd'hui, Nadia Ali est venue mettre. Elle est venue briser ma vie. C'est ce message-là que tu nous as lancé. Mais c'est tellement qu'on avait une haine, tellement qu'on était en colère, on n'avait pas. On n'avait pas prêté attention à ton message. C'est un message fort. Toi, le président Laurent Gbagbo, là, quand tu lances quelque chose, là, ça veut dire que les gens qui sont vraiment politiques, là, eux, ils ont compris le message que tu as lancé. Magouet, patak, 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 son mari est gaoudé. Le président Laurent Gbagbo dit, Nadia Ali dit qu'elle est belle. Donc, partout où le président Laurent Gbagbo passera, là, il n'a qu'à parler d'elle. Il a dit, oh, qui met tête de mort là? Si, Biko, c'est toi. Il a dit, vos maudits, c'est moi qui ai dit ça. Vos maudits 10 000 fois. Vous qui mettez tête de mort là. Je ne vais pas vous bloquer, vous allez rester là. Et puis vous allez écouter. Je suis en train de guenzer sur Nadia Ali. La force tranquille, ma princesse, il faut mettre beaucoup de cœur. Les maudits là, ils sont sur mon direct. Les maudits là. Il a dit, je suis là, je suis à côté de Nadia Ali Bamba. Le président Laurent Gbagbo est venu dire aux Ivoiriens que Nadia Ali dit, moi le président Laurent Gbagbo, je suis un gaou. Famille, je crie au secours. Nadia Ali dit partout où je passerai là, je n'ai qu'à parler d'elle. Nadia Ali a corrompu tout le monde. Ils n'ont qu'à dire haut et fort qu'elle est l'épouse. Nadia Ali, nous là, dans notre coutume là, nous on ne considère pas Kola. Kola là, on n'a jamais considéré ça.
Mais comme cette, ce petit ingrat là, il sait que son papa est dans pain. Mais eux tous là, leur tête là est dans marmite. C'est même qui est la plus bête là même, c'est Jeannette Koudou. Ton grand frère est dans pain. Mais tu ne vas pas ouvrir ta bouche là pour parler aux Ivoiriens. Tu ne veux pas nous envoyer des messages par une bosse, Jeannette Koudou, pour dire que mon grand frère souffre. Mais tellement que quand elle vient, quand vous voulez parler en même temps, elle prend l'argent, elle vient vous donner, vous fermez vos gueules là. Mais si le président Laurent Gbagbo, dans quoi vous êtes en train de le pousser là, si quelque chose lui arrive là, c'est vous là, vous serez vivant. Et puis on va vous mettre en bas et puis on met son cercueil là-dessus. C'est de ça que nous on vous parle. Vous êtes trop méchant. Vous êtes tellement ingrat même que on sait même pas c'est où même on va avoir des remords même pour parler du bien de vous. Le président Laurent Gbagbo famille, il nous a lancé un message. Il dit, Nadia Ali dit, je suis un gaou. Je suis un gaou. Elle est belle, c'est moi qui suis gaou. Voilà pourquoi partout où je passe aujourd'hui là, elle veut que je parle d'elle. Elle veut que je parle d'elle. Et que je crie. Je me fais détester. Le monde entier n'a qu'à me détester. Nadia Ali Bamba est venue pour enterrer mon parti politique. Elle a reçu à le faire. C'est pour ça le jour du congrès là. Il est venu dire, Nadia Ali est patak, 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 patak. Moi, je suis gaou. Aujourd'hui là, je ne suis plus proche de Simone et Yves Gbagbo. C'est moi qui suis vide aujourd'hui là. C'est Simone et Yves Gbagbo qui fait la force de son mari. Petit ingrat. Michel Gbagbo, tout ça là, c'est pour toi. Hein. Tu es très ingrat. Tu es très malhonnête. Tu n'es pas reconnaissant. C'est pour ça que je t'ouvre les comprendre. Tu vas comprendre. Tata, avec ses femmes. Et ces femmes-là, ton papa est venu te lancer, mais ça, tu n'as pas compris. Mais vous tous là, vous avez signé. Vous avez signé avec Alassane Dramane Ouattara. Toi, tu as signé. Pour qu'on puisse enterrer ton papa, tu as signé. Petit ingrat, tu as signé. Et pourquoi tu as fini de signer et puis tu n'as pas ouvert les yeux aux Ivoiriens? Pourquoi les Ivoiriens sont restés dans cette rue-là pendant 10 ans? Et vous savez très bien ce qui se passe. Vous savez, voilà une vidéo, le fils de ma grande soeur m'a envoyé. Le fils de ma grande soeur, il m'a envoyé une vidéo de RDN. RDN, un jeune RDN. Il n'est pas chose homme. Je vais vous montrer la vidéo. Écoutez, hein, famille. Maman t'a donné quoi que maman Simon t'a jamais donné. Il est RDN. Maman Simon t'a donné sa fille. Là, dit maman t'a donné seulement manger. Ben, tu dis manger. Et vous, c'est toujours manger. On ne mange pas goudron. C'est toujours ça. Elle t'a donné quoi que maman Simon t'a jamais donné. Toi, Gbagbo, Laurent, tu voulais que Simon Gbagbo, qui est en prison en Afrique, en Côte d'Ivoire, et toi, tu es en prison, dans une prison VIP, où il y a tout, où tu portes costume même pour aller au procès, où tu es nickel, ton thème même n'a pas changé. Ta femme, tu étais gros parce que tu mangeais. La femme là, dans la prison africaine où elle est quittée là, elle est sortie, qu'elle aille te trouver à la haie, mais elle doit se refaire. Elle doit être belle à tes yeux. La première année que tu as vu, comme tu as vu qu'elle était féqué, tu as pris, tu as mis Nadia Bamba devant. Méchant que tu sois. Laurent Gbagbo m'a dit que tu es en prison. Hé, hey, Michel Gbagbo, ils ne sont pas en train de câliner ton papa. Et ces femmes, petit ingrat là, tu es très ingrat. Impoli de nature. Ça, c'est un jeune de RDR qui est en train de parler de maman Simone Yves Gbagbo. Et toi, tu manques d'air. Toi, tu manques de kilos. Mais tu es gonflé, toi. Toi, tu es gonflé. Nous, on ne sort pas pour rien. Moi, je ne sors pas parce qu'il faut sortir. On ne sort pas pour rien. Tu es trop gonflé. Votre perroquet là qui sort, il nous a insulté ici. Hein. On dit notre maman. Maman t'a donné quoi que maman Simon t'a jamais donné. Maman Simon t'a donné sa vie. Là, dit maman t'a donné seulement manger. Ben, tu dis manger. Et vous, c'est toujours manger. On ne mange pas goudron. C'est toujours ça. Elle t'a donné quoi que maman Simon t'a jamais donné. Toi, Gbagbo Laurent, tu voulais que Simon Gbagbo, qui est en prison en Afrique, en Côte d'Ivoire, et toi, tu es en prison, dans une prison VIP, où il y a tout, où tu portes costume même pour aller au procès, où tu es nickel, ton thé même n'a pas changé. Ta femme, tu étais gros parce que tu mangeais.
la femme là, dans la prison africaine où elle est quittée là, elle est sortie, qu'elle aille te trouver à la haie, elle doit se refaire, elle doit être belle à tes yeux. La première année que tu as vu, comme tu as vu qu'elle était féqué, tu as pris, tu as mis Nadi Bamba devant, méchant que tu sois. Laurent Gbagbo. Tu as compris? Ça, c'est qui ça encore? Oui, allô? Bonsoir. Ah, là, je suis en direct, hein. Ici, là, on ne trouve pas dragué. C'est des bonariens comme ça qui appellent les gens. Hein? Toi, tu es juste en Côte d'Ivoire là-bas. Actuellement, moi, il y a besoin de quelqu'un ici. Tu viens déranger mon direct comme ça. Il y a quoi? Hein? On est ici, là, il n'y a même pas bonjour qu'on gagne. Et puis, oh. Donc, Michel Gbagbo, tu as attendu. Lui, là, il n'est pas PPCI. Hein? Lui, là, lui qui a parlé de Simone Yves Gbagbo, là. Lui qui a reconnu Simone Yves Gbagbo. Lui qui a reconnu le combat de Simone Yves Gbagbo. Lui qui est en train de féliciter cette grande dame-là. Lui qui est en train de féliciter la mannequin de la Côte d'Ivoire. Lui qui est en train de grandir. Ce que toi, tu ne peux pas faire là. Ce que tu ne peux pas faire là. C'est ça un jeune de RDF vient de faire là. Et toi, on t'invite. Ça veut dire que tu n'as même pas eu de remont. Tu n'as pas eu... C'est que... Nathalie, on ne te voit pas, c'est moi qui... Je suis là, je suis là. Tu n'as même pas eu... Ça veut dire que dans ta tête, là, ça n'a même pas tiqué. Avant d'appeler Simone et Yves Gbagbo, avec ces femmes-là, tu as pensé à quoi? Tu as réfléchi, toi? Michel Gbagbo, voilà pourquoi nous, les abeilles, là, les semeuses de riz de Simone et Yves Gbagbo, on est venu te dire ce soir-là. De ton papa, là. Et puis tu dis la femme de mon papa, là. La nouvelle femme de mon papa, là. Ton papa dit, il est dans paix. Ton papa, il dit, il est dans paix, il crie au secours. Il a demandé aide aux Ivoiriens. À son propre congrès, où il est venu dire, ma chérie est pata, son mari est gaou. Il est en train de dire aux Ivoiriens que je suis dans paix. Mais comme tu es bête, c'est pour ça que tu n'as pas compris le message de ton papa. Mais j'ai dit, je suis venu te garantir ce soir. Si quelque chose... arrive au président Laurent Gbagbo là. Il dit, dès maintenant là, comme tu es français, prends tes cris et craques, tu vas rentrer en Europe. Ça veut dire, si on descend en Côte d'Ivoire là, c'est sûr qu'on va descendre. Parce que vous êtes en train de creuser une tombe pour enterrer le président Laurent Gbagbo là. Dans cette tombe que vous creusez là, le président Laurent Gbagbo ne rentrera pas dedans. Non. Parce que c'est toi. Tu es l'aîné, tu as 52 ans, tu n'es plus un gamin. C'est toi qui dois interpeller ton père. À son âge là, tu as vu Kouna Bédier? Yeke. Tu as vu Alassane Dramane Ouattara? Le président dont le président Laurent Gbagbo parle là, qui est aux États-Unis là, le président de l'Amérique là, tu le vois pas avec sa femme? Il est avec sa femme. Mais toi, ton papa, Nadia Ali Bamba a creusé une tombe où elle est en train de mettre ton papa. Toi, tu ne vas pas aller tirer ton papa là-bas. Ton papa te lance un message et c'est toi qui viens gaillardement parce que tu es culotté, parce que tu es devenu député de Yepougon, parce que tu es gonflé, parce qu'il faut que toi, tu nous prouves que tu es plus intellectuel que le monde entier. Nous, on s'en gabarit de ton papier. Ce papier que tu as aujourd'hui, c'est grâce à Simone et Yves Gbagbo. On lui dit alléluia. Matin, midi, soir, quand tu te réveilles là, tu dois fléchir genoux. Tu as prié pour Simone et Yves Gbagbo. Et que Dieu va lui donner longue vie. Petite ingrat. Sans elle là, tu ne vas pas être où tu es aujourd'hui là. Petite ingrat. Petite malhonnête. Voilà. C'est Simone et Yves Gbagbo qui t'a donné la vie que tu mènes aujourd'hui. C'est elle qui t'a donné le culot là. C'est elle là. C'est grâce à elle aujourd'hui. Toi, tu as le culot de parler sur les plateaux télé aujourd'hui là. Toi qui te connaissais bien là-bas. C'est ça. Qui te connaissait? Personne ne connaissait ton existence. On ne sait même pas même qui tu es. Quand on compte même les enfants du président Laurent Gbagbo, on ne te comptait pas. Parce que tu étais invisible. Tu étais invisible. C'est ça. De la manière tu es invisible là. C'est comme ça que tu es venu prouver ça au monde entier aujourd'hui. Que tu n'as rien à cirer avec cette femme là. Cette femme qui a galéré là. Quand ton papa a fui la Côte d'Ivoire là. Il est venu en exil là. Celle qui a tenu bon.
Celle qui a lutté avec le premier président Félix Houphouët-Boigny là. C'est de cette grande dame là que nous parlons. Mmh. Petit ingrat. Ce nom que tu as aujourd'hui là, c'est grâce à Simone Yves Gbagbo. Petit ingrat. Petit malhonnête. D'accord? Si Simone Yves Gbagbo là, si ton papa n'était pas venu en exil, pour qu'elle puisse tenir ce parti là, pour que ton papa puisse devenir président là, toi tu allais devenir député, tu allais passer par où même? Peut-être si tu étais en Europe ici là, tu allais en train de grimper sur les clôtures des trains ici là, parce que tu n'allais pas recevoir d'éducation. Parce que qu'est-ce que ta mère là, qu'est-ce qu'elle allait faire pour toi? Mais cette éducation, ta mère ne pouvait pas te donner là. C'est ce que Simone Yves Gbagbo t'a donné. Nous, on te lavait les compranos, petit ingrat, petit malhonnête. C'est Simone Yves Gbagbo, toi tu appelles ex-femme. Donc c'est Nadiali qui a creusé une tombe où elle est en train d'enterrer ton papa là. C'est elle qui est devenue la femme de Nadiali là. Elle a 48 ans. Ton papa il a 76 ans. Et toi ça n'a qu'à rentrer dans tes compranos. 76 ans, 48 ans là. Nadiali là. Et puis ton papa là, depuis son jeune âge, où le président Félix Houphouët-Boigny a dit à ton papa rentre en Côte d'Ivoire là, ton papa là il a fait prison sur prison, prison sur prison. Et les prisons qu'il faisait là, il faisait pas les prisons là, pour rien, on le frappait bien. Et quand on le frappait là, on le frappait avec Simone Yves Gbagbo. Donc ton papa là, à quoi il frappait là, tout ça là, il a mal aujourd'hui. Ton papa là, il devait rester. Quelque part, où toi, tes petits-enfants vont venir le masser. Où toi, Simone, et toi, chose, comment on appelle, Michel Gbagbo, ta femme va préparer, puis va venir donner à son beau-père, puis il allait manger. C'était à ce moment-là. C'est toi qui conduis ton papa à la mort. Si quelque chose arrive au président Laurent Gbagbo, tu as ça dans ta culotte. Tu as ça dedans. C'est un avertissement qu'on te donne. Tu n'as qu'à prier. Tu n'as qu'à ajouter 100 ans sur sa vie. Michel Gbagbo, va ajouter 100 ans sur la vie du président Laurent Gbagbo. Faut pas que quelque chose va lui arriver. Si quelque chose arrive au président Laurent Gbagbo, tu as ça. Les Ivoiriens là, il a dit, on va galvaniser les Ivoiriens, mais ils vont s'asseoir sur toi comme ça. Parce que tu es en train de pousser le président Laurent Gbagbo. Pour qui? Nous autres, on a perdu nos parents. Pour qui? Nous autres, on n'a plus de grands frères. Yeah. Pour qui? Nous autres, on ne peut plus appeler nos grands frères. Oh. Pour qui? Nos grands frères ne peuvent plus nous appeler pour dire, m'appeler, c'est comment tu vas? Deux ou trois jours, mon grand frère m'appelle. Moi, je ne reçois plus de coups de fil. Je n'ai plus de grands frères. Personne ne m'appelle. Je n'ai plus de grands frères. Je ne reçois plus un coup de fil. Quand mon téléphone sonne comme ça, je pense que c'est mon frère. Il ne peut plus jamais m'appeler. Pour ton papa, on attendait à ce que ton père, là, il arrive pour sensibiliser les Ivoiriens, pour adoucir le cœur, nos cœurs qui brûlent aujourd'hui dans nos vents, sinon dans nos poitrines plutôt. On attendait. Et c'est lui, là, vous poussez à la mort. C'est lui-là que vous êtes en train de livrer. C'est lui-là que vous poussez. C'est lui-là que vous mettez sur un plateau d'argent. Et ces petits, les enfants qui respectaient le président Laurent Gbagbo en train de lui manquer du respect aujourd'hui. Michel Gbagbo, mais tu es trop gonflé. Tu es trop gonflé. Tu es très malhonnête. Le fait même que tu es en train de vendre ton papa là, tu es très ingrat. Tu n'es pas bien. Tu es un enfant à Nya Nima. Simone Gbagbo a gâté sa nourriture. Anya oh, Anya. Ton nom là, c'est Anya Nima. Si Simone Gbagbo savait là, elle n'allait jamais t'héberger. Si elle savait que tu étais un gras et malhonnête là, elle n'allait jamais t'accepter dans sa vie. Elle n'allait jamais te mettre à l'école. Elle n'allait jamais prendre soin de toi. Si elle savait là, elle allait te mettre dehors. Si elle savait que tu allais te retourner contre elle aujourd'hui. Si elle savait que tu allais faire clan avec Nadiali Bamba pour faire partie son mari là. Simone Gbagbo n'allait jamais accepter à ce que tu rentres chez elle. Tu es un ingrat. Tu es impoli de nature. Très impoli. Du moment que tu as manqué du respect à Simone Yves Gbagbo, tu es très impoli. C'est moi qui te dis ça. Moi, je ne suis pas grossière. Mais si ça aurait été le ministre Charles Blé Goudé, si ça aurait été le ministre. Si ce serait vos zozos, vos moutons que vous hébergez là, vos bœufs dans vos cages là, les lions blessés là, les chiens affamés là qui ne trouvent pas mari là, ils allaient faire sortir leur gueule là sur le ministre Charles Blé Goudé. Mais nous qui parlons de Simone Yves Gbagbo, nous qui défendons
Ces deux personnalités-là, nous là, on est bien soignés, on est très bien élevés, on est très bien éduqués. Mais c'est parce que vous êtes entouré des gens qui sont très, très mal éduqués que vous sortez ces gens de propos-là. Tu n'as pas consulté ta femme avant de faire sortir ces propos-là. Tu n'as pas consulté ta femme. Avant d'aller sur les plateaux-là, tu n'as pas demandé l'avis de ta femme. C'est une femme qui donne conseil à son mari. Tu n'as pas demandé. Sa femme, sans doute, mais ta femme ne savait pas que tu partais dire des cochonneries comme ça. Tu as un intellectuel. C'est toi qui traînes dans la boue aujourd'hui. Et nous autres, là, on va venir te piétiner avec la boue. Ton respect qu'on avait là, j'ai vomi ça ce soir. Je t'ai craché. Tu ne manques pas. Tu ne méritais pas mon respect. Tu méritais plus mon respect. Vous, les bandes des zozos, là, tous ceux qui entourent le président Laurent Gbagbo, qui amènent le président Laurent Gbagbo à la mort, là, vous ne méritez pas le respect des Ivoiriens aujourd'hui. On vous vomit. On vous vomit aujourd'hui. On vous vomit demain. On vous vomit le après-demain. Vous ne méritez pas mon respect. C'est de ça que nous, on parle. C'est ça même. C'est que le ministre Charles Bleu Goudé, lui, il a dorloté ton père comme ça, mais aujourd'hui, là, bouche, là, toi, tu peux pas. Où on t'a invité là, tu peux pas parler du passeport du ministre. Mais c'est que toi, tu as trouvé ex-femme. Mais tu es culotté, tu es trop gonflé. Gonflé même. Tu es gonflé, tu es zélé même. Baisse un peu tes épaules là. Les épaules que tu as là, c'est grâce à Simone et Yves Gbagbo. Faut reconnaître et puis Dieu va te bénir. Si tu n'as jamais bu de l'eau, si Simone et Yves Gbagbo ne t'a pas lavé, si Simone et Yves Gbagbo n'a jamais acheté de vêtements pour toi, si Simone et Yves Gbagbo n'a pas pris soin de toi là, faut l'appeler ex-femme. Et puis ta vie là, tu as reçu dedans dans ton dépitaya là. Petit ingrat, impoli de nature. Au revoir. Donc, famille, c'était nous, hein, les abeilles. Hein. Donc, passeport de notre président. Simone, Nadia dit, j'ai oublié. Nadia dit. Nadia dit. La Kiza internationale. Nadia dit. La Kiza effrontée. Nadia dit. C'est même qui ne méritait pas notre respect. Nadia dit. Va voir Alassane Dramane Ouattara, il n'a qu'à remettre le passeport du ministre Charles Bleu Goudé, c'est de ça on te parle. Le ministre Charles Bleu Goudé là, c'est un digne garçon. Le ministre Charles Bleu Goudé là, il a donné sa vie, il mérite le respect. Le ministre Charles Bleu Goudé là, il veut aller faire la politique que toi tu as interdit le président n'est pas fait là. Le ministre Charles Bleu Goudé là, il veut rentrer en Côte d'Ivoire pour réconcilier les Ivoiriens qui sont divisés aujourd'hui là. C'est pour ça là, les Aminés blindés sont n'importe comment pour venir lui parler n'importe comment là. Le ministre Charles Goûter là, il veut aller sur le terrain. Les ouais qui ont perdu, les ouais qui ont tout perdu là, il veut aller dire yako ouais. Le ministre Charles Bleu Goudé là, Bon Boabri qui est décédé là, il veut aller sur la tombe du Bon Boabri. Le ministre Charles Bleu Goudé là, Désiré Tagro, ils ont tiré là. Toi Nadia, dit papa, tu as envoyé des gens là, de tirer dans sa joue, lui qui a perdu la vie là. Le ministre Charles Bleu Goudé dit, il veut aller sur la tombe de Désiré Tagro. Le ministre Charles Bleu Goudé dit, les Ivoiriens qui sont en train de pleurer là, il va aller sur leur âme. Ok? Pour ça, il a besoin de son passeport. Voilà. Ok? Ce que tu as demandé au ministre Charles Bleu Goudé là, ça ne va jamais arriver. C'est pas le ministre Charles Bleu Goudé qui va être ton marionnette. C'est pas le ministre Charles Bleu Goudé qui va être ton télécommande. Ce n'est pas lui que toi tu vas téléguider. Ce n'est pas lui que toi tu vas manipuler. Il ne deviendra jamais ton manipulateur. Il sera jamais en bas de toi. Il va jamais tenir ton sac à main. Ce sont tes esclaves, les personnalités de son pays, de ce pays que nous respectons là. Ce sont eux là qui veulent se coucher en bas de toi. Ce sont eux là qui veulent que tu les piétines. Ce sont eux là qui veulent devenir ton esclave. Ce sont eux là qui veulent devenir ta télécommande. Ce sont eux là qui veulent se mettre là pour que toi là tu les téléguides. Le ministre Charles Bleu Goudé, il est resté digne, il restera digne. Il mérite son passeport. Voilà. C'est rentré dans la loupe. Tu as compris? La veuve noire, Karaba la sorcière, tu ne mérites pas mon respect. Tu ne vas jamais mériter mon respect. Va donner mari de maman. Ma mère a insulté. Ma mère là. On continue de l'insulter. C'est nous, on a fait la sortie. Sur Nadia Libamba. Et notre mère, elle a été insultée. Donc, pour toi, là, moi, là, tu ne méritais jamais mon respect. Et tu ne vas jamais mériter mon respect. Tu resteras une Kiza internelle. Ça veut dire que toi, dans ta jeune âge, là, tu ne vas jamais avoir mari. Tu es maudite à jamais. Parce que toi-même, tu t'es maudite depuis le 17 juin 2021. Tu as maudit ta vie. Ta vie a été déjà maudite. Donc, sans le président Laurent Gbagbo, là, aucun homme ne dira bonjour.
Parce que partout où tu passeras là, le nom qu'Isariel a collé, c'est comme une étiquette, c'est collé sur toi. Ah. Tu as une petite fille de rien du tout comme ça. C'est toi qui as sali ton propre nom. Pourquoi? C'est quel nom tu cherches au juste? L'argent. C'est quoi tu cherchais pour de l'argent? Mais l'argent, tu as vendu tes propres dents. Maman est mariée. Maman, elle est mariée elle avec porte papa. Son alliance. Donc l'argent là, l'argent. Tu ne peux pas manger ça. Tu ne peux pas manger. C'est pour maman. Et puis mariage là. Il y a une repas de divorce. Donc, mariage légal, bien hein, commun. Tu as calé en l'air. Donc, parce que l'argent, si papa, tu manges si pas. Hé, hey, Nadia, je vais couper. Hein, mais je vais te dire quelque chose. Si papa a essayé là, hein, il a dit, ça va être ta pète, vous allez marcher dans Bigam. Ton argent même là, hein, plus de diamants là, de l'or qu'on t'a donné avec pétrole, et puis tu puisses dedans, et puis tu payes. Les va-nu-pieds là, qui sont dans le désert de Mauritanie là, les femmes, les vieilles femmes là, qui manquent de mari là, et tu prends même pas des bonnes personnes, tu prends même pas les femmes qui sont élégantes pour venir parler de toi, mais tu prends les vieilles casseroles là, qui viennent nous comme ça, nous parler là. Malgré que moi-même là, je n'ai pas été à l'école là, mais je suis plus élégante que toi là. Mais toi, tu vas choisir des va-nu-pieds, les gens qui n'en valent même pas la peine, mmh. Les gens qui n'ont même pas de style, des vieilles casseroles qui parlent, et puis ça bave de partout, qui n'ont pas d'élégance, qui n'ont même pas de titre. Ce sont ces personnes-là que toi tu peux prendre pour venir nous parler. Parce que nous, à qui ces personnes-là parlent, nous là, on nous voit. Mmh. Quand nous on passe, les hommes regardent derrière. Mmh. Mais ces vieilles casseroles-là, elles sont comme ça, de la manière que tu es comme ça là. C'est comme ça que tu prends les quelque chose qui ne ressemble à rien pour venir parler à ta place. Mm-hmm. Nous, on est bien soignés. Mm-hmm. Nous, les enfants de Simone et Yves Gbagbo, tu ne nous vois pas. Quand on sort là, on sort. On sort. Et puis on est propre. Mm-hmm. Et puis quand on parle là, on bave pas. Non. Mm-hmm. Mm-hmm. Et puis je bave là, je parle là. Ma bouche là, c'est pas rempli de salive. Et puis ma et bouche puis, là, ça pue pas. Et puis blanc comme ça. Voilà. Ma bouche là, garçon ne m'a jamais dit, fais de ta bouche pue. Non. Quand j'embrasse un homme là, lui-même il veut que je quand l'embrasse. Quand tu te brosses là, faut bien, tu prends des bonnes personnes pour venir te défendre. Arrête de prendre des salités, des manqueries, des individus mal intentionnés, des individus qui n'ont aucune valeur, ma qui papa, vont pas avoir ils de ils sont valeur. En train de nous mm-hmm. insulter. Oh. Pour Simone et Yves, papa, si nos mamans sont insultées là, nous on ne rentrera pas. Mais celle-même, celui, si Biko tu as insulté notre maman là, mais demande à ta patronne. Quand elle va se doucher là, quand elle regarde en bas là, c'est ce qui est là-bas. Donc tu as insulté la maman de ta patronne aussi. Donc moi là, ça ne me dit rien. Mm-hmm. Mais je dis ta patronne, elle ne méritait pas mon respect. Si elle lâche le président Laurent Gbagbo là, c'est fini. Je vais m'engenouiller pour lui demander pardon. Mm-hmm. Mais du moment qu'elle elle veut enterrer le président Laurent Gbagbo, je dis si ça doit me prendre 10 ans, ça va me prendre 10 ans. Parce que je ne te lâcherai pas. C'est de ça que je parle. Mm-hmm. Mais moi... je ne vais jamais t'injurer. Je ne vais jamais dire, oui, Nadiali, non. Moi, je suis très polie. Mm-hmm. Voilà, parce que ma maman, là, mm-hmm. c'est une première dame. Mm-hmm. Ma maman, là, c'est une femme qui est élégante. Mm-hmm. Ma maman, là, c'est la sirène de la Côte d'Ivoire. Ma maman, là, c'est une femme intellectuelle. Ma maman, là, c'est une femme qui connaît papier. Donc, moi, je ne peux pas en train de parler de Simone et Yves Gbagbo. Et puis, je vais dire des grossièretés dans ma bouche. Voilà. Et celui même dont je parle, mm-hmm. le ministre Charles Blé Goudé, ah. le mannequin de Port, ah. petit génie de Port, ah. l'homme même qui s'habille, oh. et puis tu ne veux même plus qu'il enlève les vêtements là sur lui. Il n'a qu'à être habillé toujours et puis tu vas le regarder. Ah. L'homme qui connaît papier, mm-hmm. là, il a. Mm-hmm. Quand il te parle même là, il est en train de te parler et puis ah. tu dors. Mm-hmm. C'est de lui que nous parlons. C'est je ça. Ne suis pas en train de parler d'une personnalité comme ça. Mm. Et puis j'ai dit des grossièretés sur mon direct. Non. Que je suis mal poli. Voilà. Donc, tu sais, non mm. je t'ai fait les attaques à coups de ces personnalités dont je parle. Donc moi, là, mm. je ne suis pas dans mes conneries. Je suis très bien soignée. Mm-hmm. Malgré que je n'ai pas été à l'école, mais j'ai été très bien éduquée. Mm-hmm. C'est de ça que je te parle. Donc choisis. Prends les bonnes personnes pour venir te défendre. Ne prends pas les gens qui sont dans les merconneries. Uh-huh. Nous, on est très bien soignés. Uh-huh. C'est de ça qu'on te parle. C'est ça. Donc, Nadia Libamba, uh-huh. le petit message. Uh-huh. Va dire uh-huh. Alassane Dramane Ouattara. C'est ça. Il n'a qu'à libérer le passeport du ministre Charles Blé. C'est ça. De ça qu'on te parle. C'est ça. Sinon, dans vos merconneries, là, nous, on n'est pas des enfants. On ne joue pas dans les boîtes. C'est ça. On ne joue pas dans les boîtes. Mm-hmm. On n'est pas dans les merconneries. Donc, Amadou. J'espère que mon petit frère, tu sortiras pris. Hein. Parce non, que moi, j'ai 45 ans, je ne connais pas ton âge. Mmh. Tu peux être mon petit frère ou mon grand frère, je ne sais pas. Mmh. Mais il ne faut plus faire des sorties. Mmh. N'envoie pas ton leader sur un plateau pour qu'on puisse l'acheter. C'est si ça. Tu l'envoies là, mmh.
Ce n'est pas ton idée, on va acheter. Mais ça, Aïcha connaît là. Cette passoire là. Les deux passoires qui sont associés là. Qui ont fait, qui ont créé les entreprises des passoires là. Qui sont des carrefours là. Qui sont des terminus là. Ça, Aïcha connaît, elle est terminus. Va lui dire ça. Famille, je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Ici, les abeilles du ministre Charles Blegoudé, les semis de riz de Simone Olivier Babacon. Que Dieu vous bénisse. Bye.